na kubanda kupesi tikana ti boy kumishaji esi zinoko izali asita ya tavar italinga ite ti inandemini te manu kona ma azaka sina na college asala asida afuta makana sensa sensa sutopa ulumi sensa Beta pour. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon tailleur dans le pivot, ça malade, il y a pas dans le chef. Oh papa. Yom tout le monde. Ngam yom tout miminga. Monsieur, mais yon est bissa qui occupe. Pendant ma absence due à maladie professionnelle, au bangélo comme au thé. Vous en comprenez ou pas? Yosa fonctionnaire de l'État, que tu as droit aux prestations des risques. Oh, allez, bon matin, tout le monde. Papa, il y a une autre conseillère à Yaku. Oh, bon matin. Oh. Voilà, donc désormais, il y a un agent public à l'État où vous allez assujettir la Sensap de Bozawana en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement dans l'agence Yasensa, dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque? Risque Zali, maladie professionnelle. Donc, Bokono Oyo, Zuina Nzela Moussalana. Et accident de travail, Ezali, les kama oy ozu na musala, ton anzela musala, yango anande babengi les risques professionnels. Ah! Ka! Na Congo oy! Ba kumi ko foute risque! Ah! Fonctionnaire ya l'État ya lelo, na Congo azali sous moutama wate. Yo par exemple, na déclaré yo déjà dans le délai. Voilà! Donc pour na bolamu ya ba, agent public de l'État, n'est-ce que vous allez avoir? Tata Mokonzi à l'école, Fati Béton, Nanzela ya Sensa. En cas d'accident de travail, donc maladie professionnelle, non seulement bako fouta yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente, topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de ba frais funéraire, mbé rente des survivants. Maman Nankai Tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo, agent public de l'État, ce qui osa la mission de service topé mutation, ce que les kama et quoi liokuna, eh bien, ils ont considéré le coup d'accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, pas qu'on fout à yo. Ayuna, nga mou kongole banga kala. Gola mou fana nekize l'baye. Na sa dede. Na korezi à l'État. Nga koutou. Na gono bate. Chef. Pourquoi vous foutez les gars à ta école? Mais il y a le bâtiment qui est dans les vies. Oh! Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, dans ce sap, tous solidaires, tous bénéficiaires! Message de la Sensap. Pour tout contact, appelez le call center au 4011. Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalate. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Allez, merci encore une fois pour la deuxième partie de l'émission, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, réel plaisir et en coup en abino et sous pour la deuxième partie. Boza et Belé Libosso à TV Nabino, je l'avais annoncé, un débat ouvert entre Patti Katanga, cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi et Fumoto Tobasanga, communicateur de l'Union Sacrée, cadre en même temps. Alors on va parler de l'actualité politique, l'actualité dominée par le discours du chef de l'État.
les Nations Unies, mais en même temps, on va parler aussi controverses autour. Il y a élection en 2018. On va parler également de la sortie médiatique des Fayoulou hier. Et puis, on va parler aussi de l'élection où ils ont se pointé à l'horizon pour décembre 2023. Alors, Fumoto Tobasanga, bonjour et bienvenue. Bonjour, Nando Konanga Pati Katanga. Et puis, bonjour, Nabino Sobozu Libakwa Kolandabiso. Que le Congo gagne avec Oussam. Très bien. Allez, en face, Pati Katanga. Bonjour, mon frère. Merci, Mingde Kosango. Oui, Bigel Lobine Nazagi Narita. Nazagi Narita, moi, je savais toujours que vous allez à Vital Kamere. Mais c'est seulement hier qu'au téléphone, nous confirmons que ça fait un temps, Ousana Katumbi. Toutes mes excuses hein, pour. Pas le problème, Naza Sosona, Union Sacrée, ça fait longtemps. Car l'air Katumbi, Kenda Kiwana, Longwa Kinde, l'air Ngape, Nalanda qui est Nassima. C'est de l'inconstance? T'es inconstance, Mourizate, c'est une conclusion logique. Union sacrée, c'est un échec patent. Union sacrée, c'est un échec patent. Donc, Mouga, n'a yaki n'a accompagné échec. N'a yaki pour Congo a relevé ma défi. Oh, t'as n'a moi, je constate que toi. Est-ce qu'ils ont regretté, aux autres regretté, la page noire ou l'exagine à Union sacrée? Ah, ben tout à fait. Les regrets, oui, je l'ai. Les regrets, Naza Nango, parce que, Mouga, Naza, d'abord, Maïma, il faut corriger. Dans un cadre ensemble, t'es. Naza de la résistance Maïmaï. Naza chef de parti Eba Maïmaï. Et donc, idéologie Nabiso et Vandelina, la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont négociables ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Les socles sur lesquels est assis idéologie Nabiso, la résistance Maïmaï. Je ne peux pas accepter pendant que Moutou Ngada soutenait qui candidat numéro 20 en 2018. Pendant présidence Naïe. Baboto Labiso Bounagana, Baboto Labiso Ruchuro, Baboto Labiso Massis, alors je vous, donne Kibumba. Nous avons eu l'occasion de nous permettre et nous avons eu pourra aussi rebondir. Pourquoi vous avez quitté Tshisekedi et pourquoi vous avez choisi Katumbi? Ben pourquoi je suis d'abord dans l'échec. Pourquoi? Deuxième raison, il y a deux raisons fondamentales. Première raison, c'est que l'Union Sacrée a un échec patent. Candidat numéro 20, il y a cash. On a essayé la campagne en 2018. A tché en pratique, on a dengi toyo kanagite moke bozala. Lelo na kanisi, ba Congolais nyon, se baso dans la biso. Kongo est comme l'Allemagne, il était. Kongo a même pas l'avion. Il a redéplacé 2345 000 km². Kongo a même pas l'abat bateau de pêche. Tout le monde a monté dans le bateau de pêche. Et je peux continuer comme ça, livre, c'est le mot Mbayaba. Promesse non réalisée. Congo. À quoi continuer de nous en matière de sécurité, c'est encore plus catastrophique. Donc, ça, la élection, comment? Mais l'élection a programmé 104 territoires à Congo. Non, c'est inacceptable pour moi. Donc, na Rutshuru, barossa la élection, na Masisi, barossa l'élection, même Pembe na Kinshasa, awa, na Mbokango, na territoire ya Kwamutu, barossa l'élection qu'on a été. Pour la ligne, pour battre, pour botter les bisomboka. Président ya Mbokananga. Président Yambokananga, Akoiko Tchama Kolona Massisité. Président Yambokananga, Akoiko Tchama Kolona, même Nabunagana. Ah, c'est qui va botter les bisous. Police Nanga, armée Yambokananga, Naruchuru Bakoko Tchama Koloté, Namassisi Bako Tchama Koloté, Nabunagana. C'est qui va botter les bisous. Nous sommes déjà balkanisés, Babote les bisous. Et bisous de l'octobre, Ben Barmenin, Barmé Yambokanio sur le monde entier et Yéawa. Pour la favoriser. M23 s'implanter dans le territoire où on attend. M23 a encouragé, a prêté les mains par les troupes de l'AAC. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, qui l'a dit, le général au Balongolagi, na Bujumbura, a quitté le Bouyaki, a proposé ça, M23, mais il était pour aider l'armée congolaise. Tu comprends que sur le plan idéologique, ah oui, j'ai des regrets, même j'ai des pardons à présenter. Allez. J'ai des excuses à présenter. Allez-y. Non, je ne peux pas soutenir. C'était une grosse erreur. C'était une gravissime erreur. Il y a moins d'un assigné à mon pardon. Sur le plan social, tu comprends, continuer sur le plan social, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Est-ce que ma Congolais, ma Yébi, que. Et tu y es bien ou bien? Tu comprends, relier les lots par délestage. Ma fille, ma lé, les garçons, ma relier à l'obi, ma parent, ma relier à l'obi au Kuna. Nous sommes un pays en perdition. Et qui ne sont graves. Parce que, et l'autre, le Congolais, peut-être, il n'ignorait pas tout ce qu'on a des informations. C'était l'élo. Producteur numéro 1 à l'os au monde, c'est l'Inde.
compte tenu il y a un problème climatique, l'Inde a une mauvaise récolte, il y a l'osso. L'Inde a une décision, il y a restriction, il y a exportation, il y a l'osso. Mais si on est touché, mais parce que tu importes à l'osso. Et donc, l'Inde a une restriction sur l'osso et l'exportation. Tu n'as pas de importer à l'osso. Tu n'as pas de Thaïlande et tu n'as pas de production de suffisante. Et il y a un baril de pétrole. Le lot qui est baril de pétrole qui est vers 100 dollars. Donc, transport. Et comme très cher. Nous risquerions le lot de l'osso. Il y en a 35 dollars. Parce que c'est plus de la base. L'osso. Ça qui est l'osso, le lot. 35 dollars au pays, c'est qui est au marché. Maman, comme il est là. Dans une bonne année, dans moins de 3 mois, ça qui est l'osso. Tu reçois 60-70 dollars. Donc, les Congolais vont faire un franc congolais. Ils vont tenir comment? Les Congolais vont faire un franc congolais. Ils vont tenir comment? Dans le dollar ou dans le matin, ils vont quitter le dollar. Dans le bas, ils mesurent cosmétiques. Même si 100 millions en réserve, il y a 3 mois, même si 100 millions en réserve d'échange pour le marché, pour éjuguler l'envolée à dollar. Et tu as équilibré sur le marché entre le dollar et le franc congolais. Dans le bas qui mesure cosmétique. Et non seulement 100 millions de dollars, on est comme là, mais dollars qu'on reprend en volé. Tant qu'on a eu une décision, on a. Congolais, bah foutu en 22. Donc, à Zora 100 dollars, bah c'est 220 000 francs congolais. Congolais, j'ai 200 000 francs congolais, bah n'a qu'à te foutre à 100 dollars. Bah propriétaire, ah, bah l'inga dollar, l'inga bah koufa. Congolais, n'a 220 000 francs congolais, n'a bah foutu équivalent. Encore, je suis gentil, hein. Il y a des sociétés qui payent. On a 90, il y a ma société de foot à Bassona, soit la batoise, même pas dans toi 90, bas soit 88, soit 88 000 francs congolais, bas foutu 100 dollars. Très bien, mais toi, soit toi normal, bas foutu congolais 220 000 francs congolais équivalent à 100 dollars. Congolais qui a foutu un acte maintenant, a commis propriétaire à l'Ubinga dans l'Inga à dollars, il y a un dollar en état de Congolais, j'ai 220 000 francs congolais naïe à quel amour à marché à coûter dollars à sa manie comme matin. Bah, il faut y aller 227 000 francs congolais. Donc, bah, tu dis dollars et la pauvreté congolais. Parce que bah, foutre le franc congolais. À qui a foutu d'un dollar et préprendre. Donc, bah, société où ils allaient, il y avait étrangers, bah, ça, exportation de fonds. Bah, 1100 dollars, 100 millions de dollars, qu'on a, bah, 1000 euros. Deuxièmement, dollars et comme commentaire par rapport à franc congolais. Et donc, nous avons perdu en termes de pouvoir d'achat car actuellement par exemple parmi ma raison au Tigeli Félix et Tshisekedi. Ah ouais, le bilan. Alors, sur pourquoi avoir choisi Katumbi? Bon, pourquoi avoir choisi Katumbi? Ok, nous sommes au moment du choix parce que normalement toujours qu'il y a une élection sauf imprévu, il faut bisoto tenir une élection. J'ai choisi Katumbi pourquoi? J'ai choisi Katumbi parce que c'est le candidat par lui-même. Parce que le candidat faut la Yemounan. Par lui-même, Katumbi lui-même est une réussite sociale. Une réussite sociale dans l'Engine. Katumbi a des entreprises prospères dans le Congo. A Tchango dans l'étranger. Katumbi a des entreprises prospères dans le Congo. A faire travailler à bas Congolais. Tant que vous allez bas Congolais, n'a comme n'a chaud ou pas naïe. Au moins, il y a plantation naïe, il y a société naïe. Il y a un domaine où, par exemple, il y a agriculture à perte de vue. Bas Congolais, à bas Congolais, il travaillera pas naïe. Il y a 10 000 Congolais. Emploi direct. Si on a un emploi indirect, on va travailler avec un intrant. Parce que l'agriculture, c'est tout un métier. Emploi direct, on a 5 000, 6 000 emplois indirects. Donc, quelqu'un qui aime le Congo, qui a investi au Congo et qui est prospère, l'entreprise est prospère. Première raison. Deuxième raison, Katumbi a été gouverneur du Grand Katanga pendant 8 ans. Katumbi a été gouverneur du Grand Katanga. Sur les plans politiques, Vital Kamerhe étant Wazalaki président de l'Assemblée nationale, à Sengaka, ba gouverneur ya Congo, bakende na formation au Katanga, bakende ko sa formation et pas ya Katumbi, parce que Katumbi c'était l'exemple de la bonne gouvernance. Magazine Forbes, magazine américain, je crois dans les années 2009-2010, a plébiscité Katumbi comme meilleur manager en termes ya gestion, ya bonne gestion na Congo. Donc, Azan va prérequis. Troisième, Mazembe. Un homme qui aime les sports, avec qui je partage les sports en passion. Azuma Mazembe dans le niveau où il y a Amemi Mazembe, dans le niveau où il Mazembe, comme une des meilleures équipes d'Afrique. 5 Champions League, sans compter la Coupe de la CAF.
Mazembe, c'est la seule équipe, le seul club africain où il y a bêta finale de la Coupe du Monde des clubs. Finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est la réussite. L'homme, c'est la réussite. Ce qu'il a fait pour sa vie, ce qu'il a fait pour les autres Congolais qui travaillent chez lui. Ça fait confiance. C'est ce qu'il veut faire pour le Congo. Très bien. Je veux quelqu'un qui a des prérequis. Allez, merci. Il y a des prérequis. Merci. Voilà les raisons fondamentales. Allez. On a ligné au Assali pour l'entreprise de Assali pour la Congo. Très bien. Allez, pourquoi il a quitté Félix? Pourquoi a choisi Moïse Katumbi? Il a donné ses réponses. De même avec Fumutoto. Fumutoto, pourquoi vous restez avec Tshisekedi? Et pourquoi vous ne voulez pas emboîter le pas comme votre frère de Katumbi? Vous avez le même temps. Question nous avons là. Tout répondre, Nano. Naïe, après, nous répondre à Yangaï. A quitté l'Union Sacrée parce que Ezali échec. Échec dans le domaine Nini. Oyo, tu sais que des abîmes inférieurs dans Kabila, na Katumbi. Parce que Katumbi fait partie, Yabila, ya Kabila. N'est-ce pas? Maintenant, y a bisangai combien d'emplois aboutis qui ne t'sekedi à BBC? Combien d'entreprises vous créez qui ne t'sekedi à BBC? Na domaine ni ni bino vous avez qui n'a réussite y a nassima à BBC. L'armée, quelles sont les avancées? Parce que vous avez cité la sécurité. Tout ça, ce que Patrick attend, débat vraiment politique na yo. Y a bisabiso, l'armée. Katumbi na Kabila, Batikimbo kati Tshisekedi a commis 400 millions de dollars. Ya budget. Batikimbo ka occupé. Parce que Olobi, Ozali, Mai Mai, Okoki ko travailler na Batu bandimi occupation ya Mbokate. Mais n'ayez pas peur que RCD. Pour sa micro, côté. Akipaki Congo, plus de 50%. Yo, Ozali, directeur de cabinet. Na moko na ma ministre ya Kabila, tu n'as pas démissionné. Na koki koye bisoro que sur le plan sécuritaire, portion du territoire zala ki conquise na ba étranger sous Mobutu, sous Kabila père, sous Joseph Kabila et pas de tikalo zo mebele boyete. Vous citez à peine quelques localités, mais vous n'avez pas cité quelques provinces conquises par les terroristes sous Tshisekedi. Alors que pas sur ce que dans le monde en anglais l'eau, il y a sécurité en Boka, ils allaient passer outil à mes gestion n'a été, ils allaient au yo yo na Katumbi na Kabila boutikak. Maintenant on suit sur quoi au lobby na longue parce que Kincha Congo est comme l'humanité. Est-ce que tant que vous allez qui na cash, dans notre équipe FCC, le chef de l'État avait dit que na 5 ans qu'il a mandat au yo à Congo misa Congo Allemagne l'Afrique. Si oui, Bako Misaka, Mboka Allemagne de l'Afrique, Ndengeni. Avant Félix Tshisekedi Azala, Otikaki Eloko Babengi enseignement primaire, avec des écoles fictives, de personnel fictif, où le montant financier, le nombre de personnes Ezala qui connuté. Tokokiko Sangisana cash na pouvoir na Union Sacrée. Félix Tshisekedi a coûté 7 milliards de francs congolais dans le domaine de l'enseignement. Aujourd'hui, le budget alloué dans l'enseignement est à 37 milliards. Soit augmentation de combien? Félix Tshisekedi a coûté non payé NP, NU. Aujourd'hui, plus de 60 000 enseignants bafoutami. Échec, taux, réussite. Félix Tshisekedi a coûté Mboka. Na 41 000 écoles mécanisées payées, sans compter l'école où a créé le programme PDL 145, nous sommes à 65 000 écoles mécanisées payées. C'est un échec. Félix Tshisekedi n'a ce côté à sécurité, Akuta qui armé n'a effectif ou urbanité, Akuta qui armé sans recrutement, alors que moyenne d'âge, le militaire congolais a déjà 50 ans, a joué moins 5 ans. Militaire américain a déjà retraité. Patrick attend la talanga de Gonona Miso. Place où on a bien na tsekedi na sali koleka. L'armée otika kimboka sans politique nationale la défense. Yo moto sa rébellion Kabila mdra militaire.
Félix Tshisekedi a mené Congo dans la politique nationale et la défense, peut appeler loi de programmation militaire, pour permettre de dire clairement qu'il y a besoin d'un bon camp, clairement d'un bon Sengele Kende et clairement d'un bon Sengele Tozoa. Côté à sécurité, Moïse Katumbi na Kabila, Batika Kimboka sous embargo, deux types d'embargo, embargo général au Ezalaki, na régime de notification pour achat des armes et autres équipements militaires. Échec Ezali côté Nabino, Ezali côté Félix Tshisekedi. Au lobby, les sous-souké, Tozo la Lanzala Lelo. Au lingui, quoi, c'est pas comme on a dit, à la Bissot, qu'en a 18 ans, Joseph Kabila, la Moïse Katumbi, même si on le voit à l'ongue, en 2015, Tozo l'ongue la 3 ans, Totika 15 ans, bah, comme on a dit, qu'on a dit, on a dit, pourquoi? Alors, bien, mais tu vois, on a dit, bien, Félix Tshisekedi, a dit, qu'on a dit, Sabango, Nzala. Mais tenez, un exemple. Dollar est triplé, t'es sur Tshisekedi. Tant que vous foutez enseignant, il y a Moïse Katumbi na 50 000 francs, l'IPA est allé à 200. Tant que Félix Tshisekedi a commis enseignant na 500 000 francs, l'IPA est commis 1000 francs. Te. Pouvoir d'achat et enseignant, wana. Et baby, sous Tshisekedi, tout est bon, les gars, période yo tikak. Tout le bas vérité, en face na yo. Nga na yo to zalaki na concertation nationale na 2013, 9e mois le 5. Nga na yo to zalaki na opposition républicaine na Léon Kengo. Nga yi na tiki yo na koti na ba institution na 2016 na dialogue oyo to zalaki a cité de l'Union africaine to zalaki na yo. Nene a ou abungi ke Kabila nde muto zali fwasayere ya mboko nda bengi ba paya bavanda na mboko. Oboya kiye? Alors question na koti na bo ba kongole ba comprendre. Ce qui pendant la période où Zalaki na cash, peut alliance na FCC, peut tant que créé, c'est la chef de l'État Union Sacrée. Ce so qu'on a déjà nommé ministre, PCA, TODG, Melolongwe, si oui, combien va DG ou nommé par Félix Tshisekedi, va tiquer pour rejoindre notre camp politique. Problème n'a pas eu Zali, tout ou mais n'a pas eu nommé été. C'est pour rejoindre votre question. C'est ça la vérité. Parce que tu ne peux pas que la Congolais censé que Moïse Katumbi, de par son parcours, est la réponse aux questions d'échec de Tshisekedi. Alors que nous avons dit que nous avons aspect nini. Je suis à Katumbi, na Kabila salaki malamu, ya Tshisekedi et Kitinase. Na zoyo parce que tu as flairé un cas on a yebi. La gestion de la province du Grand Katanga. Na ningita ngozo maloba, na na yebi que Moïse ne représente rien na gestion Grand Katanga. Pe na kozoyo kaka à titre illustratif province ya Lualaba. Oyo Mama Deborah di Lualaba, Madame Fifi Masuka Saini a effacé Moïse Katumbi papete. Poete, province ouan ou Moïse Katumbi a tchèké angolo kou la moutalaka yako yako zwaba mine, peko kena yoko dondwa, atikala ko sala eloko mokote ya malunga na province ouan. Me, kitale lo na Lualaba, omona ba veni, omona ba batima, omona mbongo, salaire ya ya travailleur, ya fonctionnaire, omona akeya ya ville, omona ba bâtiment et mati na moins de 2 ans ya mandat ya madame Fifi Masuka. Ce qu'on a zozwa yo image en contradiction à ma casse. Olobi tango Vital Kamerhe azalaki président de l'Assemblée nationale a sengaki ba gouverneur mususu bazua gouverneur nyoso nazoya Kasi ba gouverneur mususu a dit en dehors de lui, non? Se contredit à ce qu'on place. Moussous a dit, il était, mais... Allez-y, allez-y. Ben, imité. Mais je rappelle yo maloba, ya Moïse Katumbi, tango Vital Kamerhe aloba ki bongo, pe koma ki même Mukanda, pourquoi j'ai choisi Kabila, tango longwe na Kabila. Moïse Katumbi aloba yini. Ngaï, na koza loko la président Vital Kamerhe te. Ngaï, na koti kaka Kabila te, dans la vie, il faut être reconnaissant. Atika ki yete? Deux. A ou te ko ken Équateur aloba ki, ce qui a longué l'Union sacrée a déstabilisé Mboka. Tant que longué l'Union sacrée a déstabilisé, toi a déstabilisé. Mais ce que tu as joué, tu as joué qui est président de l'Assemblée nationale.
Ngana zui président de la République. Ya yo, ya ngai, ya bisonyo so chef de l'État. A outi kolobi ya pas deux mois, ka sengi ba gouverneur de province. Ba imite nani? Nasuka. Oyo na oyo, eko gani? Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, à côté Moïse Katumbi koleka ba gouverneur, ya mejezo atanga Kabila. Sikoyo le numéro 1 le plus grand des Congolais, Oyo Aza yende représentant à Congo et que chaque gouverneur de province est le représentant titré du chef de l'État, il a présenté Bissot, Madame Fifi Masuka Saini, la Déborah du Lualaba, comme exemple. Le loso créé au moni résidence présidentielle à Lualaba, au Kubosa na Katumbi. Le loso créé au Kuti Banyongo, Oyo Mouyeja Tikaki, Yako defa na Lualaba, nandenge mama Fifi a efface ango okubosa na Katumbi. Katumbi n'a jamais bien géré le Katanga, pour celui qui a l'information. Moi j'étais en 2015 faire des recherches là-bas. Atiki dette interne, ko le kalimite na Katanga, pour votre information, je vous défie. Deux, mbongo ya décentralisation a détourné ango atika kosa ko repare ko pesa ango ndenge mibeko lobi te. A botoli pouvoir d'achat ba katanga nyonso ti entreprise na ye eketi na koni. 3. Nangina tuno ke sozo za Congolais maintenant en concentré en politique. Tango tozalaki na conférence nationale souveraine, ba japonais ba senga ka ba congolais. Omoni ba skori etika la kaminene minene wana ta mbazo ko extraire ba minere na katanga, ba pesa bango yango po basala biso ville moderne. Oye za lukula moko na wa ville na Japon. Na conférence nationale na tondimi. Beko benga sava mabi mubenga na États-Unis Congolais. Muluba. Beko benga ye. Atalaki na États-Unis ba yiba ki apoma ye lilika kie. Tango ye maluwa kalenga. Maluwa kalenga sa sonon. Merci beaucoup. Beko benga ye ya yebisi bangote. Omoni biloko zo tika la wana. Biloko za nakati. Richesse na yango eleki. Oye bango kusela bino. Ezalaki komona na ngomba na Katanga avant Moïse Katumbi amata gouverneur. Si manaye, okoki koyebisa ba Congolais ngomba wana ekenda wapi na ba entreprise privée naye to ndenge nini. Eloko susu ya soni olobi ezali okendeke pa na Kashwebe, omoni kuna na Kashwebe kitoko mbala moka kubungisa mboka. Ozo confondre leadership économique na leadership politique. Leadership politique eza leadership mosusu te. Na peso ati tel exemple boli misangaye wala sone atondi sa stade de martyrs mais il a perdu les élections na Kinshasa. Oko misanga qu'est-ce que ça veut dire? Il est très fort na musique mais tanga lingaka zo abakinwa ame mabango na terre mosusu. Francis Kalombo aloba na plateau ya Sango Awa que Moïse Katumbi makama politika yebaki na yete bangonde basenga ki asala. Moïse Katumbi azana lutte politique te. Tshisekedi abotami, Tshisekedi le président, abotami na ndako ya lite politique IDPS. Akoli na kati ya ndako lite politique IDPS. Politique bandaka na ba action te, politique bandaka na ba ide. Ba Amerika bandimai ko voto Obama. Na vie privée na ya salani. Il a bâti un multimilliardaire, Maiken, na kosi, na première fois na. Deuxième fois, il a aussi bâti. Donc, yo pati katanga politisa mobimba, olanda mutu po, azana ba entreprise économique, qui dirait se tika la kozala, authentifié te kezali bien géré. Tala onto sali na marché mondial, kombo solo, olandie po monye na mbongo. Mais est-ce que na politique balandaka mutu po zana mbongo? Na ville ya Kinshasa, to bane kosomba effigie ya Tshisekedi père. Abana pa sabiso mbongo? Yo le batala vision politique ya Moïse Katumbi. Tala mission politique ya Moïse Katumbi. Yo zo le banabiso atonga kwa Kashobwe malamu asali Mazembe. Me akende na yene ekipe ya Mazembe. Mazembe zana raporo nini na makambo ya politique. Moïse Katumbi na politique ayebi eloko te. Azana vision te, azana mission te, azana fondement te. Yo mogo monaki batuni e question. Batumi Olivier Kamita tuna moko ya bashe na biswa ezali suivi lokola bosolo offre politique na bino ezani ni na sima o critiquer ce que réponse ni zakini to sila nana ko tambula na mboka nde to koyeb quelqu'un qui veut se présenter candidat président de la République encore dire s'il faut dire yeza congolais du père de la mère était en cause la paix jamais président na biso ati kubuza na belo wana te parce que allez très alors, bien donc na limi ko sukisa na koloba ke
Katumbi ne représente rien. Ce qu'on ignore, c'est que Katumbi ne représente rien. Kendeka kanalo alaba, omo ne sika atika ki poussière, omo na ba veni, omo na banda, omo ni travailleur, fonctionnaire. Mama Fifi akoutiye na $500, lelo fonctionnaire wana dana $1000, conseiller akouta bango na ba $700, lelo dana $1500. Bon, suko otango yoko zwa maloba, oye bisangay, l'état de lieu de Gra Katang, avant Katumbi, pendant Katumbi, et après Katumbi, avec des données chiffrées. Très bien. Allez, on va revenir. Problème n'a pas les alliés. Où mela qui? Le coup l'angabe na où meli? Aux accords donnant c'était. Au moment que la coupe maillolé là, ok. Parce que ce banoma qui on y va ou qu'en était. Allez, on va revenir. On va revenir pour entrer dans le sujet. Boza et Belé, c'est une occasion. Boza a déjà idée pour calamité campagne au banan. Nous autres chabino savons na moutou. Et permettre bino moi bien. On va prendre une petite pause. On revient. Président de l'engagement pour la citoyenneté et développement, Sidé Martin Fayoulou, a dans son adresse à la Nation ce lundi 25 à Lobaki. Bolanda ce qu'il a dit. On revient après. Tokota Siko, non, Makambouya, chef de l'État. Tokota Makambouya, Corneille Nanga. Tokota Nagatsa, débat. Bozaï, Bélé, Boutier, TV, Moro, Bate, Bélé, TV, Zaradio, T. Milingé, Romana, TV, pour Moutoua, Koufate, pour Nausalisaï. Et Lydia Fouya, Souna, Maï, Batouban a besoin de Maï. A tout à l'heure. Très chers compatriotes, congolaises et congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développe Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but, vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à M. Félix Tshisekedi. Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. Car on ne joue pas impunément et trop longtemps avec un peuple et son destin. Au nom du peuple congolais qui souffre en espérant que les élections apportent au pays la paix, le relèvement social et la prospérité de l'économie nationale. Je salue les combats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la cohésion sociale comme gage d'un processus électoral sain et extincteur des périls qui menacent la survie de notre pays. Je me permets de leur redire ici, par ces mots, que je veux solennel et au nom du peuple congolais tout entier, combien nous sommes fiers d'eux, fiers des valeurs d'intégrité, de vérité, d'amour du prochain et d'exhortation à l'unité nationale et au sursaut patriotique qu'ils portent. J'ai entendu leur appel et celui du peuple congolais. J'invite le militant des partis politiques, les syndicats, les étudiants, les associations de la société civile et les activistes des mouvements citoyens à se faire l'écho de ces messages de remerciement et d'encouragement aux chefs de nos confessions religieuses afin que leur combat gagne en puissance d'imposition d'un processus électoral sain, inclusif, transparent et crédible. Allez, on est là. On va revenir. On va continuer, pardon. Boza et Belé. Tozo a discours. Il y a mon condi amboka. Tozo sang samon a ouya Fayoulou. Tozo sang samon pe na ouya Nanga. Parce que Nanga na Fayoulou. Makambona bango et Belé balobi et bimina discours et à chef de l'État. Donc, du coup. Tobana na wea Fayoulou, tout ce qui est nanga po ya Fayoulou les amis qui étaient, il y a nanga peut-être cause absolument. Ndeko pati katanga efumututu. Retrait à Monisco. Mokondi amboka lobi yango na discours, Fayoulou pe alobeli yango. Mokondi amboka lobi Monisco ekenda.
population nyonso ya est na biso bato za la Kinshasa na bandeko ya Congo central ya Kasai na mobimba to mona ike bandeko ya MONUSCO basali mosala te pour lequel to bomba to benga kibango il fallait bakende mais bato bele ba yeba ike ndenge ba no saki départ elingo kende départ moko graduel mais ko sala ma à partir à 2024 c'est vrai que ba revisa ki déjà de 21 000 à 14 000 mais il fallait salama l'année prochaine. Mais Mokondi Mboka a anticipé qu'on a un discours naïe. Est-ce qu'une décision réfléchie n'a pas un chef de l'État? Ça, on va commencer avec Fumutoto. Mais au-delà de ça, Fayoulou Azali d'accord Monisco a kende. Mais en contrepartie, Azo Sengalisou sous les Nations Unies, Batin Dalisou Force Moussous, va remplacer Monisco na Force Moussous. Quel est votre point de vue par rapport à un dossier aussi à Fayoulou qui pense que ce que Balongoli Monisco théorique à la vie d'été? Il faudra Toyana Batumusso Baba Osamsa. Vous avez le temps pour ce point-là. Merci. Martin Fayoulou de Konangai, au moni mabeya ko sala politique sans les idées politiques. Mabeya ko sala politique sans concept. Parce que atamuto alinga fumto tata linga fumto ta ebike fumto to message na ezali na concept ya troisième voie. Olingito olingite oyebi. Motunyonso olinga palu te oyebike ezal le mumbisme o ezali le socialisme à visage africain ne babeng yango le mumbisme. Olinga i de peso olinga tseka di père te oyebike ezal l'état de droit la non violence. Suko le loso kongola la muki azoka ni sa Martin Fayoulou derrière quel concept politique komba na ezali nini kombo nango nini. Et le Kamusingaï a lobby discours à la nation. Sango, qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans ma cambo adresse à la nation de Konabiso à l'Obouana qui est à l'Ination alors que tu es dit que discours à la nation est un peu ramasser les différents aspects de la vie nationale et couper sa position en position. Il y a lobby Gaza président élu. Il y a peu à l'Obouana qui est mandat n'est pas une année. Nous pensions que tout comme une affaire de la législature, Azobi Mapaye Bisabiso, qui président élu naye, a sali nini, a salaki nini te, a soukini. Mkolomoko na yebisaki wa keno, na Congo yo, l'opposant le plus impopulaire, Eza Martin Fayoulou. Parce que, Moutouazoua qui plus de 40% na suffrage à peuple congolais, ou tout le monde, 30% na suffrage à peuple congolais, mais il est incapable de mobiliser le peuple congolais na Kombo naye. Il se cache toujours derrière le leadership à Bato Moussous. À Batamaki na Genève, Sima Bato Moussous. A Yokoke na Katanga, Sima Katumbi et les autres. Maintenant, à Komi Ye, homme politique, Ko Batama, Sima Yase que lui qualifie de leader religieux. Ah ou à tout le leader religieux, leader de religieux, moi, tu connais ça qui na Congo, et de la Ika Simon Kimbang. Qui du reste n'était pas opposant, mais résistant, parce que le pays était sous occupation belge et européenne. Il y a un leader politique, Akesenina, leader de confession religieuse, parce que Bango a un groupe de pression. Atanambo Kamokote, un opposant principal dans le régime, Azalaka derrière les corps sociaux. Il y a Azalaka Liboso, la vision, la mission, le fondement. Mais bato ya corps sociaux baya ko se greffer par rapport à ba intérêt na bango. A comme une flatteur parce que yé moko 5 ans c'est que dit ba réalisation chef de l'État et permettre yété ko zo assise populaire confortable. Maintenant to kende ko luba makambo na d'abord il a commencé à mentir. Que dans le 30 août 2023 ezali ba militaires ya garde républicaine ne ba boma ba congolais na Goma. Non, pas tous les militaires. 2. Et là, comme nous sommes sur le banabiso à l'obi, et Sengeli Monisco a joué à mesure, il y a ma casse, il les a même qualifiés d'énergiques. Je ne sais même pas, en droit administratif, en droit relations internationales, en polémologie, n'ayez habité mesure énergique et l'incolobani, il y a comme même dictionnaire, il y a comme inventé Bamon. Ba mesure, il y a un oiseau, le cola. Moïse Katumbi a dit que ce qui est soutenu par le secrétaire de commune, à Bangui, en 10 000 euros, la chef de l'État, il faut Monisco et Kende. Mais comme pour plaire à Katumbi, à l'obi, que cette émission soit remplacée par une autre avec des unités combattantes. C'est là, Fayoulou,
Monusco Zawana, comme on a dit, mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo. Donc, au mission à Liboso, au lien à la stabilité, Mukonzambo Kalobi, 25 ans après, Monusco a pèsé na Congolais était au Congolais Zalai Kozela. Puis le chef de l'État était décisif dans la décision. Alobi Koutou, nous avons dit que nous avons dit en décembre 2014-24, na décembre 2023 pour permettre ba congolais bazwa destin na bango na maboko yoka ba moya chef de l'état et deuxièmement ko kende ya Nations Unies ya mission ya Nations Unies awa et ko permettre kimia po peuple congolais lingi su bango te mission ya epo na ko stabiliser biso e bandi ko boma biso ko ye matin fa luna na ko ye bisa yeke so ki mission ane ekei o ko ya ndia obiki sa biso azanga moko ko loba et imiter chef de l'État, mais à qui coller raccordement fraudulent mon corps pour éviter que à soutenir le chef de l'État. Quelqu'un qui se dit président élu a lobby le Conseil de sécurité des Nations Unies et protéger Congo et sécuriser Congo. Alors qu'article à château évoquait que lobby, aucune disposition de la charte des Nations Unies ne donne à celle-ci aucun pouvoir de s'immiscer dans les affaires qui relèvent de la compétence interne d'un État. Or, la sécurité étant un domaine de souveraineté dans le cas, les Nations Unies accueillent pour défendre Bissot Ndengenini. Donc, il y a à comprendre le chef de l'État. Le chef de l'État, quand est-ce qu'il demande à la MONUSCO de partir? Hein? La diplomatie a reçu le Colombo l'embargo. A reçu le Colombo le régime de notification. A sali recrutement. Il y a des soldats et des sika. A sali loi de programmation militaire. A matissé kita na côté à sécurité. Or, kosomba arme, ko acheminé, tse koma na Congo, le délai ya mounen est à 45 jours. C'est à ce moment que le chef vous dit, ok, comme le Congo dans la frontière n'a hérité depuis la colonisation, reconnu internationalement, na si na bombisa armé nangai, na monique armé à Monusco, yende ko tungisa mboka, bakende beso moko to ko défendre, Bokanabiso. Il est par absence, par manque d'une autre offre politique, abandonné et coopéré. Et puis, à Sirisi discours, a commencé à Angolo, la moine, moi, si, Kobongsambebo, la décision. Miso, ce n'est pas ça la communication. La décision de Tshisekedi, une décision réfléchie. Souveraine, conséquente, sinon, non. Parce que, on ne change pas l'équipe qui gagne, on ne maintient pas l'équipe qui perd. Nancy à ma collègue à mission des Nations Unies, nous avons perdu un président en exercice, en fonction. Nous avons fait Nancy à Nancy. Mais depuis qu'ils sont venus nous aider, on a fait quoi? Mais non. Et puisque tout le pays du monde entier va dans la sécurité, est-ce que va dans la MONUSCO dans Bango? Je crois que si Martin Fayoul, et puis, et là, comme nous Martin Fayoul, nous avons présenté ma condoléance, nous avons victime, nous avons proche de Bango. Bon, nous avons Congolais, nous avons Congolais. Biso to kufeli yozo présenter biso ba condoléances, ça veut dire yozo congolais. Et puis le koutana yesu solobi ala le pays est miné à sa tête par un groupe de gens qui travaillent pour sa balkanisation. Martin Fayoul yozo respecté même le dictionnaire te, même ba monte. Donc tu sais que du père et de la mère, tu sais que du moto ko fungola biso miso ke Kagame za dongolo miso ba rebelle o biso to dai ko yoka na bango pe ko sala brassage mixage bangonde ba iko tonga pe ko bomamboka yoka ni ko yeso ba congolais ke tu sais que di azala pour la balkanisation. Est-ce que toute occupation d'une portion du territoire par les étrangers implique que les dirigeants qui sont là sont des gens qui travaillent pour la balkanisation? Allez. Donc il a raté l'occasion de se taire. Le discours du chef de l'État a été appuyé et aucun opposant n'a donné les contraires. Très bien. Allez, Pati, vous avez le deuxième tour également à parole. Parce que vous avez pris en premier, il a rebondi, on a pris un élément, il a pris en deuxième point la deuxième thématique. Vous avez le droit de réagir aussi. Combien de minutes? Vous avez le droit. Parce que n'a autant. Je pense que Nanda Kouba Congolais Badouka Moyer. Azo ko peindre Congo. Allemagne d'Afrique ou ailleurs, bien que l'Allemagne d'Afrique. N'a qu'on ramassé les deux, na réaction face à un discours, y a Fayoul. Ou yé binga, ma kamou moussous, ah, on a eu qu'on employé, bah, mon moussous, parce que si on employé, bah, mon moussous, yé,
aza protégé le pouvoir. Parce que nous avons un problème par moi, nous avons été traqué par les services de sécurité. Nous avons été traqué par la DEMIAP. Nous avons été traqué par la EDER. Mais lui peut se permettre tout. Katumbi a yébi rien. Si je comparais ici, à comment les candidats ont eu à soutenir, à loin d'arriver à la cheville à Katumbi. Tu sais ce qu'il dit? C'est pas grave. Okay. Vous pouvez juger tout ce que vous voulez comme. Je pense que les images sont patentes. Parce que Félix Antoine Tshilombo, le président sortant, avantage naïe, c'est que beaucoup de choses, il a dit image à l'appui. Qu'il y a. Comment vous vivez, monsieur? Oui, je vis, ma femme travaille. Tout. On a toutes les images. Katumbi n'a jamais été marié et vécu derrière une femme. Katumbi a travaillé dans sa vie. Respectons les Congolais qui travaillent. Katumbi a travaillé dans sa vie. La réussite de Katumbi à l'élo réussite naïo, naïe, c'est la réussite du travail. Moi, je veux un Congo qui travaille. Moi, je veux des gens qui ont un background en termes du travail. Je ne veux pas que la ligne de la présidence soit tombée comme un cheveu dans la soupe. Vous ne comprenez pas? Barotonga, Aona Mbandaka, Barotonga, la bino Harvard. Barotonga, Mbandaka, la Harvard. Il y a des gens qui ont la calamité. Ah, Bandaka, Mbandaka. La possibilité de beauté. Mais ils ont encore mal au bas. Donc, on ne peut pas insinuer ici. Nkatumba, ayebi rien. Fayoulou, ayebi rien. Fayoulou, ayebi politique. Non. Respectons-nous parce que les lois en un camp. Lobby, tu ne sais pas dans quel camp tu pourrais te retrouver. Les images vont être là pour parler. Il y a moi le monde étant dans la zone. Je respecterai toujours la fonction. Il y a président de la République. La fonction, elle mérite respect. L'action du chef de l'État, elle mérite critique. J'ai critique, mais je ne m'en. N'a pas attaqué fonctionner. Donc, Fayoulou a failli être président de la République dans Mboka Oyo, un peu du respect. Un peu du respect, non? D'abord, moi, je suis trop loba. Ils ont oublié ça. Analysons les propos de Fayoulou. Oh, Nakatanga, Fifi Masuka. Loalaba, c'est ma province. On peut raconter des histoires, pas les mêmes que l'hôtel, mais la loi là, on dit que résidence présidentielle. Et cette résidence présidentielle, les résidences à la peuple. On parle du peuple. Voilà maintenant la loi là, c'est que Félix Moïse Katumbi. Si tu étais dans la loi là, on aurait que le royaume de la Moyamouné dans la loi là. Je doute que vous ayez dans la loi là. Le deuxième pont, après le pont maréchal. Dans le Congo, le plus grand pont, il y a Congo, les ponts maréchal. Le deuxième plus grand pont, les ponts de loi là, c'est Katumbi qui l'a érigé. Oui, le pont de loi là-bas, c'est Katumbi. Le pont de loi là-bas, c'est Katumbi. Qu'est-ce qu'on vérifie? Vous pensez à Babiloko, ma statistique, vous pensez à 400 millions pour l'armée. 400. Katumbi, mon toit, est qui le salaire minimum au Katanga. Et bandan à Katumbi, le salaire minimum. À l'époque là, à l'Oba qui congolais, mon côté, Baroko foutaille moins de 100 dollars. À Terima qui est pas Libanais, c'est Katumbi qui a instauré le salaire minimum et c'était respecté au Katanga. Quand on ne fleurit pas l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. Il pense que la gratuité de l'enseignement, ils allaient le bandit dans Félix, il sait qu'il, et puis il, dans son tour, à son tour, ils ont démontré qu'il n'y a pas au salaire bien. Il y a au salaire bien. Gratuité de l'enseignement, mais Nakatanga a déjà gratuité de l'enseignement, ils allaient. Parce que la gratuité de l'enseignement est une contrainte constitutionnelle. Ce n'est pas une vision, il y a le président de la République sortant. C'est une contrainte constitutionnelle. Et au Katanga déjà. Gratuité de l'enseignement et Salaki, dans l'ère à Katumbi. Et il y avait aussi, je pense, deux ou trois provinces. Et Bandai Koya, Malé. Mais au Katanga, déjà, je pense que Bandai, même dans Katanga, la première. Donc, en termes de bilan, Yokanisi, Bakongole, Babazoba, tant que Yosako lié, bilan, Yakabina, bilan Katumbi. Non, Katumbi n'a été que gouverneur du Grand Katanga. Jugé dans l'action, oh, Yazaki capable de faire ça, Katanga. Quand il y a un bilan, Joseph Kabila, dans 18 ans, autant que bilan, on a les lots. Et ça, meilleur que bilan, la binote. Moi, je l'ai combattu, Joseph Kabila, et tu le sais très bien. Et je l'ai combattu vaillamment. Mais le temps, autant la binote, parce que, et le combat, il y a la comparaison, il y a un élément de droit comparé. Aujourd'hui, c'est des éléments de droit comparé.
Mais bilan la bilan est chaotique. Même si je ne défends pas bilan, il y a ancien président. Nga nazar pour nous défendre Yangote. Nga nazar pour nous défendre ce que Moïse Katumbi a fait au Katanga. Donc faut pas confondre les militaires congolais bilan Kabila de Yango bilan. Même si on prenait ce bilan, bilan Kabila c'est meilleur que bilan parce qu'à l'époque de Kabila, bah tu en es collier, je lui dis bah tu en es collier t'es. Si on ne va pas son ballon, on a l'objet bien. Na bonne année, bah son ballon sur 50-60 dollars pour un salaire à Obafutara na 90. Na sonas ba futa na toya 90 muta ke somba na 60 dollars ke somba no sonde ile répondez oui bi soko to combien na moment il y a redevabilité au peuple ça tient rien des invectives le sali 5 ans il faut venir par le peuple ko ba na 5 ans to sali nini et no mala muto sali et puis bi soko apporter une contradiction ça tient rien bo sara le quoi bi soko te diriger qui bozo ko expliquer Congo mais bi soko to na faute non votre bilan est chaotique. Donc, ça ne sert à rien. La question de la MONUSCO. Ça sert à rien le blabatou. Je ne voudrais pas, s'il vous plaît. Non, je vous laisse encore du temps. Je vous laisse. Je ne peux pas vous empêcher de parler. Vous avez le temps. Mais la lignité est beaucoup ma binomi balé. Ça, j'en appelle vraiment la conscience. La lignité, ça, le débat est individuité. C'est ce que je demande. C'est ce que je dis. La lignée de bilan, la lignée de bilan, sans les individus, la lignée vraiment d'attaque personnelle. Oui, ça, président, je voudrais de réfléchir sur la politique, sur les déclarations, sur des visions, sur la manière de faire. Oui. De discuter sur Yango, de proposer ce qui est plus important. Vous avez encore le temps. Ça, Yango, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, Nayo. Qui est plutôt comme même, je m'en souviens, sans été. Quand il y a un débat, les Congolais, ils attendent de nous. Tu es Bissabango. Maintenant, dans moins de 3 mois, tu n'as aucune élection. Quelle est la ligne? Quel est le président qu'il faut élire? Quelle est sa vision? Et là, on est Yann Gassan. On arrivera à la campagne. Et puis, il va juger, tu comprends la campagne? Non. Et puis, il va juger 5 ans. Si tu penses que les 5 ans, mirobolants, 5 ans, ils ont été tocés. Les Congolais vont juger, non? Moi je suis là pour apporter la contradiction que le bilan est chaotique. Si vous pensez que les gens qui tombent, vous mettez 400 millions pour l'armée. Vous ne justifiez pas. Les militaires, nous les connaissons. Les militaires, nous souffrir, bouillir. Ce qui est nous cicaté. Et si vous avez un temps de fond là. Et si vous avez un temps de là, quand vous avez un temps de fond là, vous avez un policier, vous avez un temps de fond là. Voilà, Libanda. On a Kinshasa, mais parlons pas de l'arrière-pays. J'ai été partout, presque dans le nord, sud, est, ouest. Il y a des militaires pour l'arrière-pays là-bas. Bala Tarabakech, Yakopola, Natenu. Il y a des problèmes sérieux. Mais il y a le président de la République sortant. Alors, il y a au moment de la République, qu'il a trouvé une armée structurée. Est-ce que ça va occuper localité Moro? Est-ce que ça va occuper province? Quel argument? Quel argument? Mabila bako qu'on a bissé, même un centimètre carré de rôti kamote. Tu sembles minimiser et bon, ça va occuper ma localité. Est-ce que ça va occuper province Nin? Est-ce que ça va occuper province? J'ai mis ça sur dans. Attends, l'air à Kabila, où il semblait que Bilan ait sauté. Mais l'air à Kabila, bâton la ma province. Hein? Bah, soit qu'à Goma, tu as récupéré en haut. Oui, M23, soit qu'à Goma. Bah, tu n'as pas récupéré, non? Mais ça fait une année, en gros. Tu vois, il fait 2 ans. Bounagana, il y a Rwandais, et bah, c'est lui-même, rentrée scolaire, dans Kinya Rwanda. Et bah, tu as proposé, Bissot, toi qui es une élection, 104 territoires. Oh, bah, tu es Bissot, la papaya. C'est inacceptable pour moi, Maï. Moi, je ne suis pas arrivé dans la politique parce que pour me servir pour mon ventre. Non. Nomination, c'est qui est ton droit? Moi, je suis arrivé en politique parce que j'ai des convictions politiques. C'est pour ça que j'ai combattu. Mais comment j'ai combattu pour? Parce que je pense fondamentalement au fond de moi que la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont pas négociables, ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Les socles sur lesquels ma conviction politique n'a pas vendu. Voilà. Bon, maintenant, je suis un homme politique, ce qui. Quand on a gagné et qu'il va trouver que je suis le meilleur dans le domaine de Boyepo, mais d'abord, je suis arrivé à la politique par les idées, par mes convictions politiques, pas pour dans les locaux. Dans le monde de Wan. Maintenant, Fayoulou fait un discours mirobolant. Parce que ce qui est armé, parce qu'il semblait dire des éléments armés, tout le monde le sait, armé mon Bekinda, il pourrait dire armé mon Bekinda. Toi, on a 150 à 200 000 hommes dans notre armée. Ce n'est pas bon, nous sommes là. Mais ce qui s'est passé dans Goma, c'est signifiant. Parce que, il y a des gérés à Zanine.
j'ai raouté qui na BSP, il y a Mobutu, il y a comme DSP, Mosaïe, à ça il y a un GSSP, et puis Bissotéine a 1 plus 4. Donc on y sait, on gère. C'est une unité spéciale de l'armée, chargée de sécuriser les institutions. Des missions principales, elle gère. Mais la première des institutions, c'est quoi? C'est le président de la République, la première des institutions à Congo. Donc GR, c'est l'armée qui est chargée de sécuriser les institutions en premier lieu. La première de ces institutions, c'est le président de la République. Donc, le président de la République a la responsabilité. Ce qui est militaire, il y a GR. Il va commettre crime contre l'humanité tel que c'est fait à Goma. Crime contre l'humanité qualifié par les magistrats congolais. Crime contre l'humanité, crime très grave. Crime imprescriptible au regard du droit international. Et il n'y a pas de responsabilité politique. Il n'y a pas. Mais le chef de l'État. Mais GR, c'est son armée. Le chef de l'État, c'est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a une responsabilité politique. Le ministre de l'Intérieur n'a pas une responsabilité politique. Le ministre de la Défense n'a pas une responsabilité politique. La chaîne de commandement, la chaîne de commandement, donc chef MG, chef d'état-major général, et chef d'état-major, il y a du GR. Et puis, au niveau de la sécurité, et bien, service de sécurité, nous tout le monde est ce sont 6 personnes. Retrait de la MONUSCO. Nous sommes 6 personnes, mais on va tirer qui. Peut-être qu'on doit tirer qui. Mais l'armée retient l'aide, on répète le soutien. L'armée obéit à un double commandement. Premier commandement d'obéissance et armée, chaîne de commandement militaire. Deuxième commandement, il y a armée, c'est la chaîne de commandement politique. On ne peut pas, avec des éléments, mais bout à bout, de ce qui s'est passé à Goma, tout le bateau, ils allaient bavure, ils allaient dire, nous avons besoin de la route, nous avons besoin de dérapage. Non, quel est ce dérapage dans le monde entier qui a conduit à un crime contre l'humanité? Il n'y en a pas. Là, c'est un problème sérieux. Il aurait fallu tirer des conséquences, tant sur le plan politique que sur le plan militaire, et faire des enquêtes sérieuses, parce qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. Fallu au Taliwana. À Taliwana. Ah, à l'objet que le Congolais va protéger, t'as. Mais étranger, c'est ce qu'il dit Fayoul. Armée n'a pas besoin. Les Congolais ne savent plus à quel sens c'est vous. Je ne prends pas tous les discours de Fayoul. Restons en contradiction et à MONUSCO. C'est le plus important. Déjà, nous risquons de passer du temps pour parler de MONUSCO. MONUSCO, c'est au MONUSCO. Mais Fayoul le dit aussi. Mais Babobi, il y a un problème. Il y a un départ à MONUSCO. Il y a un départ à manifester départ à MONUSCO. Il y a un départ à EAC. Mais pourquoi lobby Nango, après avoir tué les Ouazalènes de la carte église dans Bango, le gouvernement fait une requête dans le Conseil de sécurité. Pourquoi c'est Bango départ précipité à MONUSCO? Il était en 2024, hein? Parce que ça cause un trouble. Oui, mais le président de la République a été monté depuis 5 ans. Depuis 5 ans, le président de la République a été monté, c'est au moment où nous avons l'élection. Où est-ce que tu me à la Kiawa, le Kinshasa? Nous connaissons les gens qui ont été Congo. Nous connaissons les gens qui ont été Congo, on a empêché, non? Alors que la Constitution garantit à tous citoyens congolais les droits d'aller. Il part encore au Congo central. Bon, oui, alors qu'il y a un Congo central dans 4 jours pour la sensibiliser. Donc j'avais sensibilisé sur quoi? Le parti naïe. Ok. L'implantation est partie naïe. Okay. Ce n'est pas une manière stratégique avant. Non, je ne parle pas de la campagne. Hein. L'idée était que Katumbi est en. Bon, on arrivera. On arrivera. On arrivera. Je vous dis. Bomoni Bafoul. Katanga. Bomoni Bafoul. Na Équateur. Ex-Équateur. Bomoni Bafoul. Na Pilou. Na Bandundo. Ex-Bandundo. Donc, si quoi, ça, bas Congo. Avant Kinshasa pour les dépôts des candidatures. Très bien. Je ne veux pas l'élection. Allez. Et Fayou, le temps, on a mis toute sa force, monsieur Zoya. Il ne faut pas les prendre que ma force, monsieur, de créer sur un problème et tout ça. Non, il faut les prendre que il veut nous dire que le gouvernement congolais incapable de sécuriser les Congolais. C'est ce qu'il fallait nous dire en sourdine. Et le gouvernement congolais incapable de sécuriser les Congolais. Et il y a connu lui-même ce gouvernement par l'entremise d'un élément JR et crime contre l'humanité à Goma. Est commis discrédité pour la sécurité de la Congolais. C'est ainsi qu'il va y avoir la lobby. Il faut dire que l'armée est armée capable de sécuriser les peuples congolais. Est-ce que nous ne pouvons pas organiser notre armée pour faire face à cette situation-là? Il faudra aujourd'hui te prendre l'issue politique à le néocolonialisme. Il y a un mot dans la coma. Voilà, notre salut. Notre salut. Ne passera pas que notre. Notre salut, il y a Congo, c'est par notre armée. Non. Balanabiso, quand on peut défendre Congo, Balanabiso. Mais Balanabiso, au bas, on peut me perpléter. Soyons d'accord. On peut commettre crime contre l'humanité, la gomme maté.
il faut une armée républicaine formée à la taille de menace, capable de récupérer Bounagana, capable de récupérer Rutshuru, capable de récupérer Bayilonyo sur l'étranger, Babutolibiso. Une armée, il y a des moyens d'étoiles dans vos besoins, il y a moyen Fayoulou, il y a des cartes de pour pouvoir bâtir une armée qui ne tue pas son propre peuple. Allez, très bien, on va revenir tout à l'heure, on va prendre toujours les discours du chef de l'État. Maintenant, on va entamer les dossiers des Nanga. On va rester là pour une petite pause. La cour militaire de Litouri vient de condamner deux officiers de l'armée congolaise à 10 ans de prison. On va prendre cet élément, mais en même temps, il faudra ajouter aussi l'élément du chef de l'État. La conférence de presse au Salamagne aux États-Unis, où il parle de sa victoire il y a 2018, Azo Senga Mutunyo, soit dans la preuve, à Bimisayango. Alors, on va prendre ces deux éléments. On revient. Nanga a réagi à Sali Tweet, à Komi Makambo et à Komaki. On va revenir sur ça. Serrez vos ceintures, toutes les vérités. Fumutoto face à Patti Katanga, ça se passe en direct de Bosolo Télévision. On va terminer pour la deuxième partie. À très bientôt. Garde, fou, au centre, portée. Le jugement a été prononcé ce lundi 25 septembre 2023 à la tribune officielle de Bounia par le colonel magistrat Djenga Akelele Kelly, premier président de la cour militaire. Ils sont poursuivis pour perte d'armes et détournement de munitions. Prononce en outre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenu Kasereka Yamba Yamba, à la peine de 10 ans de servitude pénale pour détournement d'armes et munitions de guerre, prononce en outre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce jugement est salué par certains Ituriens présents lors du prononcé. Ceci prouve, selon eux, qu'est réellement la discipline et la mère des armées. Je suis très content de ce que la justice congolaise vient de faire. On veut les condamner des officiers, que la justice puisse les suivre. Dans tout cela, ce sont nos militaires qui nous déçoivent deux fois. Mais aujourd'hui, nous sommes derrière les forces armées de la République. Comme il vient d'être jugé, je suis très content. La cour a acquitté au même moment deux capitaines, dont Kaba Moussoko et Ngambi Tinda Jean-Faustin. Faute de preuves, cette condamnation vient confirmer réellement l'impunité au sein de l'armée en Ituri, comme les martèlent chaque jour le commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomajuni. S'exprimant lors d'un dîner de presse à New York, c'est mardi 19 septembre, devant le chevalier de la plume et du micro, en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a éclairé la lanterne des hommes et des femmes des médias sur plusieurs sujets qui alimentent le paysage sociopolitique de la RDC à quelques mois de la présidentielle. C'est considérant comme la personne qui prône l'indépendance de la justice, le chef de l'État Félix Tshisekedi a condamné l'ingérence dans l'affaire opposant la justice congolaise et les journalistes Stanley Boujakira au sujet de son interpellation. D'autant plus que pour le journaliste Stanley Boujakira, qui est un jeune homme que j'aime bien, pour la petite histoire, il a couvert notre campagne au moment de ma campagne électorale. Je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe. Il a couvert, il était de tous les combats avec nous. Donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive. Et je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'homme là. Convaincu du caractère régulier de son accession à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi a mis au défi tout ce qui évoque un hold-up électoral à l'éprouver. Dans la foulée, il a soutenu qu'aucun deal n'a été planifié entre lui et son prédécesseur avant d'être proclamé vainqueur. Pour s'en convaincre, il a cité des personnalités proches de Joseph Kabila qui l'ont contacté après publication des résultats. Il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections qui est face à vous et son prédécesseur. Je veux dire, d'arrangement frauduleux. J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences. Deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tshibanda et celui qui a été le directeur de mon prédécesseur, M. Mouilania Nehemi.
Par la même occasion, Félix Tshisekedi a réitéré la ferme position de Kinshasa de ne pas négocier avec ce qu'il qualifie de criminels soutenus par le président rwandais Paul Kagame. Par ailleurs, il s'est félicité de la décision récente des États-Unis d'Amérique de mettre fin à leur coopération militaire avec le Rwanda. Le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc, ici est de noter que c'est ce mercredi 20 septembre que le président de la République va s'exprimer du haut de la tribune des Nations Unies pour la quatrième fois pour aborder ainsi des questions liées à la sécurité dans l'est de la RDC et les processus électoraux. L'Assemblée will hear an address by His Excellency Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 20 septembre 2023 à New York, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a brossé plusieurs points faisant la une en République démocratique du Congo, notamment le départ de la MONUSCO, l'insécurité dans l'est du pays et la tenue des prochaines élections en décembre prochain. L'avenir de la MONUSCO étant devenu une question qui fait la chronique, le président Tshisekedi a exprimé sa déception quant à l'efficacité des missions de maintien de la paix déployées en RDC au cours de ces 25 dernières années qui n'ont réussi à mettre un terme aux rébellions et aux conflits armés. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. En saluant les sanctions prises par les USA contre le Rwanda pour soutien aux terroristes du M23, le chef de l'État a réitéré la demande de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner tous les auteurs de crimes graves sur les territoires congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves, susmentionnées dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunies dans le silence total de notre organisation et de ses membres, qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a confirmé la tenue des élections générales en décembre prochain, tout en précisant que les dispositions sont déjà prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. Au regard des enjeux de l'heure, l'Organisation des Nations Unies se voit invitée à jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Très bien, Félix Tshisekedi confirme la tenue des élections dans le délai le 20 décembre 2023. Messieurs et dames, nous sommes en direct, on va parler des élections. Effectivement, Fumutoto et Patti Katanga, on a suivi le chef de l'État qui rassure d'abord la communauté internationale et l'opinion que l'élection est dans le délai.
aujourd'hui Fayoulou s'est exprimé, mais il a eu du mal à donner sa position, s'il va postuler ou pas, parce que le chef de l'État est resté serein dans le discours. Contrairement à ce qu'il pensait, ça devient une mauvaise habitude. L'élection, par exemple, Lelo, 5 ans après, pendant le mandat du chef de l'État, tout le monde, bon, toujours c'est l'élection, il faut tout sanctionner. Mais quand on arrive la même année, les gens commencent à se poser la question, est-ce que l'élection Penza et Gozal? Bon, qu'est-ce qu'on veut? Tolingue l'élection est à la ratée, ou bien on s'interroge par ignorance, ou bien ça, moi, par ironie, ou toujours quoi ça. Donc il faut tout ébaquer. Ça devrait être une obligation. N'est-ce constitution, à moins qu'il y ait une modification. Mais ce que Salamité Lelo, chaque 5 ans, il faut, c'est une obligation. Un rendez-vous d'État que vous ne pouvez pas ignorer. Alors, le chef de l'État a pris parole et il insiste qu'il y aura élection. Vous l'avez suivi. Mais en même temps, le chef de l'État est revenu par rapport à l'élection en 2018. Ça, ce n'est pas des Nations Unies dans une conférence, un dîner de presse, il a eu à tenir. Est-ce que c'était encore opportun de revenir dans l'élection précédente ou les Kaki? Est-il resté toujours nostalgique? Pourquoi il faut revenir? Il se repose de quelque chose pour se justifier même à la fin. Il a parlé d'un deal lui-même, il a expliqué le contexte. Il y a deal, et que lui l'appelle accord, justement lié à Makambouya, formation en gouvernement. Il a expliqué. Mais Corneille Nanga a rejeté en bloc l'allégation à chef de l'État, le qualifiant, même si d'une manière voilée, mais d'un menteur, en croire ce que Nanga a dit. Mais c'est ce que je dis, un menteur, mensonge d'État. Alors, Nanga donne tout ce qu'il faut comme élément, vous avez suivi. Quel est votre point de vue? Quelle est la part des vérités de Fumutoto partant la balégation à chef de l'État et puis na Oyonanga Outikosala? Qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'analyse? Qui dit mieux? Nanga veut sauver la République aujourd'hui par rapport à ce qui est arrivé, vaut mieux tard que jamais. Tshisekedi se justifie ou fixe l'opinion par rapport à ce qui s'est arrivé? Alors vous avez le temps, 10 minutes sans arrêt. Il aura aussi 10 minutes sans arrêt pour cette question et je pense que ça sera à la fin de l'émission. Vous avez le temps. Sango, nakanisi na posa ki jalon ya débat contradictoire nan de konangai pour na ngara mingi parti katan. Na tuna ki epo na komona ke tiseke da échoué. Lo ba aspect nini ba prédécesseur na ye ba sala ki musala malam mais ye ya bébisi a rencontré ngai. Menga ina pesie ba domaine nini Tshisekedi a innover o yakuta ki da maninga na yete a contredire ngaite. Na bagiso susu gratuité de la maternité, ce que sale magili boso. Mais avant de répondre à la question ba alobi andima ki Tshisekedi par erreur. Qu'est-ce qui prouve que la même erreur ezana yete tanga zola na Katumbi? Ko yota ngondimi vous avez vous dites aux akoloba vérité non aux bawana mais après aujourd'hui vous en erreur ndeni biso to bando yebake a zone di maza en erreur lobby a wo senga biso pardon. Deuxième élément lobby peut-être na koma na loala baté mais papi bientôt to ko inugire ba pont, je ne dis pas les ponts de madame Fifi Masuka sous l'impulsion du chef de l'État. Ce que nous n'avons pas vu, c'est que nous avons résolu. Donc, nous avons dit que salemi avons dit que nous salaki madame que nous avons dit que nous bâtiment dit hôpital Mwangezi. Ce qui nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons pendant 4 ans, 5 ans. Madame Fifi a supprimé na mois d'une année. Il y a ce que tu retiens de lui, Ezali, Pon, Yalualaba. N'invite ceux qui pongent à la monakite. Tant qu'on a qu'un Yalualaba, la gendegnanga la tirim, c'est nous pour les autres. Tokéin à moi, place Moko Basali Kuna, restaurant Pembeni à Mai, si Manango Tokéna pour Yalualaba. Même clip n'anga en Zembo Moko n'a sali en Ouano Komonayango. En tout cas, ceux qui l'ont repéti tout le nami Saba Congolais, que Moïse a sali que l'on a Yalualaba. Mais pour là-bas, alors maman na soni kota la ba minerais en mboka wana kota la oyo Fifi Masuka sali na moins d'une année pe ko ya ko présenter biso gouverneur qui a fait 5 ans que le roi sende pour la lab
si je m'abuse pas, Moulaï n'a moins à par rapport à quoi? Na koki na compara qui te meleki pour l'ouangé na Moulaï. Soki eleki. Voilà, baye moko, place à Zawana. Soki na kosite, na manjiri bazan moussika na mounenete. Soki na mouna kito na défié. Soki a ko le gamin mjiri, a ko sa double, mais pas triple. Pour yama longa Zawana yon moto kena poto pana na poto. Pour zo kumi Zawana. Pour zo tiango deuxième point après, pour maréchal. C'est que tout ça gana pour moko ka pour maréchal. Na défié ou kena dragi na loa là bas. Na opposé yo, et loko. Maman Vivi a zo sala, ou eza loko la fiki na biswawa, nani. Même le changer na biswawa. Yami balé na nge kotou na oboye. Yo lobi soko lobi ba kotrake yo. Nana kotrake yo. Na ba président yon souvaya na Congo, moutou mon kote apesi liberté d'expression, à part Kasavubu, kole katsekedi. Combien d'opposants en prison? Combien d'opposants en exil? Combien de chaînes fermées? Combien de marches réprimées jusqu'au sang sous Tshisekedi et Zate? Ce qui est Kouki Kozala, l'oba, quelques éléments incontrôlés de la police ou des services de sécurité, mais pas des ordres manifestes, n'engana autobana ou souffrir, Natangoya, Kabila. Pour répondre à qui peine la question, Natunakiote, si tu étais DG des gens, PCA des gens, ministre des gens, Nata ou Salaki Nakash, Olinga qui poti kaokende, vous n'avez pas répondu à cette question? Vous n'avez pas répondu à cette question. Mais maintenant, Tokende. Olobino, Batouna, chef de l'État, question. Tu vis comment en répondant, ma femme travaille. C'est un péché par rapport à quelle disposition de la loi, de la Constitution. Mais Obama n'a livré naïe. L'audace d'espérer, avant d'avoir na moi si naïe, qui a l'équipe ba moyen, ba naki ko prendre en charge. Ba Amérique va pouvoir voter. Ba pouvoir voter. Na lingindo ye bisangaï ke. Félix Tshisekedi n'a pas un parcours politique plus que Katumbi. Toi, Yébisangai, Katumbi a banagi politique, wapi, a komagi na politique nini, na discours nini, pas maintenant combat politique nini. Parce qu'on ne crée pas un parti pour seulement aux élections. Toi, Yébi combat ya Palou, toi, Yébi combat IDPS. Est-ce que PPRD a mené un combat politique na Congo? Rien. Mais Moïse Katumbi n'est pas un homme politique. Parce qu'il n'a jamais mené un combat politique. On ne connaît pas ses idées. Mais Félix Tshisekedi a été tour à tour secrétaire national de l'IDPS, chargé des questions extérieures. Tobanay Komonaye, en scène politique, en débat politique, dans l'émission politique Sango, nana comme chef de l'État. Moukoloni ni biso tomona, Moïse Katumbi a zo meneli. Il a lutté contre quel régime? Il y a Kabila, il y a Mongo Alouba qui par pénalité. Il y a Liboso, il y a Taraki Kuna, ce qui est entraîneur, ce qui est capitaine. Il y a mis balade avec Kuna, ce qui est sporteur, ce qui est nini. Troisième panati, il y a Boy, avec l'intention que vous allez, président de la République. Puis il y a Longo Kuna. Alors, au lobby, il y a un peu de temps, il y a Kabila et le qui a Bissot. Mais l'aspect nini, il faut comparer, parce que Bila Kabila, c'est 18 ans. Il y a Tshisekedi, c'est 5 ans. 5 ans, il y a un peu de temps, il y a un Nabila a 5 ans de Tshisekedi, Kabila a 4, 2 ans. Yebisanga ministre nana outaki na PPRD ou a travaillé bien ko le ka ba ministre ba outaki na Tshisekedi. Kombo nae. Tokozwa sikoyo, ba ministre ya Tshisekedi na coalition, na ma ministre ya Kabila na coalition, tokomona différence. Deuxièmement, na mandat yango après rupture FCC kache, Katumbi pa na 4. Akotaki na gouvernement plus d'une année. La qui sabi soso ki Katumbi ale ki Tshisekedi, ministre na yemoko ou a géré bien ko le katoni mwa ba. La kisa biso ministre na moko oyo a géré bien ko le ka ministre outi na IDPS to yeba ke ona o ekokanite yo lobi o le ki Tshisekedi iji la lingete drek na mayele nae na intelligence nae e banaki consommer na IGF la kisa biso ke vous o lobi ke na sangisa Katumbi na eza lokola ngalelo bato ba ko sambisa ngalo bita na bila union sacrée. Je suis membre de l'union sacrée même si moi personnellement je suis pas le ministre, mais je vais assumer le bilan de la majorité dans laquelle je suis. Yolobina Sangisa été, mais c'est le régime de 18 ans. Mon régime, on a dit gouverneur. N'a lingi oye bisangai, gratuité enseignement et zalagi kuna. N'a gratuité en vous avez employé combien? Vous avez créé combien d'écoles? Parce qu'on a composé plus de 1000 écoles et un programme PDL 145.
Et avant Tshisekedi, à part Mundele Mutatonga Congo a parti à base, à part Tshisekedi, Mutumoko était impulsé développement à partir de la base. Plus de 1000 hôpitaux et salemi, plus de combien d'écoles, combien de ponts et salemi. Yo yebisabiso, les 5 chantiers à Kabila et les qui programme PDSA 45 nanini. Au moins, il y a un peu de données. Tant que vous avez contredit, vous avez peine à donner. Vous avez un peu de données. 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 Ton sévère. Vous avez un peu de données sans effet. Vous avez une influence significative. Et pas un gars. Alors, vous avez un peu de données. Vous avez France, je crois, dernièrement, si j'ai bonne mémoire. Na France, c'est l'eau sur la 50 kilos. Et vous avez commenté. C'est là qu'il y a 20 euros. Et combien de 50 euros? Ça signifie que Macron a échoué. Question à l'eau sur les alliés matières importées. Prix n'a pas de dépendre de la Tshisekedi. Mais acceptons que tant que vous avez fait un enseignant, 50 000, l'eau sur les combien de temps 20 dollars. Tshisekedi a fait un enseignant, 500 000, l'eau sur combien 40 dollars. Est-ce qu'il a perdu le pouvoir d'achat? Est-ce que toute augmentation d'un produit d'arrêt alimentaire qui ne raconte pas que Mbongo est stagné et perd les valeurs de ma case, est-ce que ça attaque directement le pouvoir d'achat du Congolais? Nalingi peut-être nous voyons maloba, oyebisaba Congolais qu'effectivement, Nathan Kabila, tu l'as eu collé bien, tu l'as eu comme bien, mais je comprends. Parce que vous avez directeur de cabinet, il y a ministre Yanani Wana, Nathan Kabila. Tant que vous avez résistant, directeur de cabinet, Kabila n'a eu que un bon malam. Tous les temps, vous allez avec Vitel et Kamel. Vous allez que c'est que vous allez vous allez vous allez plus de deux ans vous allez cash vous allez 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 l'élection à 2018, j'ai gagné les élections. Point barre. C'est que tous les cas et six cas n'anga contredire. Tous il n'y a pas eu d'arrangement frauduleux. L'élection il y a 2018, gagné na longaki. Na zongi na lingala. Mayu yezala kite ndebozo kanisa. L'élection à 2018, outa na bahir nenga inde peuple a tombola ki muto ya yambo. Gana gagné ki ba élection. Nanga survient, il dit ceci, l'okuta yamboka. Massonge d'État ne sort pas en moko, il faut qu'il y ait un menteur d'État. Et c'est ça, il y en a eu besoin de journalistes, vous voyez qui collez bien. Quand il dit que ce que le chef a dit est un massonge d'État, ça veut dire que le chef est un menteur d'État. Et comme dans les États-Unis, comme dans le Mamboka avec la démocratie, si un chef, un homme politique de son rang, de sa fonction, au salut massonge d'État, vous faites quoi? Vous démissionnez. Maintenant, le Congolais Bolanda. Tant que ce n'a pas des choses, à l'obi, il y a à côté accord. Il y avait même des chefs d'État, mais avant que l'accord, on a contredit. Il y a eu arrangement, Oyo est protégé Mboka entre publication, il y a résultat provisoire à la présidentielle, pas en aïe, non, publication, il y a résultat définitif dans la cour constitutionnelle. Yo kana no qualité a ridicule nanga ami bambi. Il y a nanga na niveau na ye a publié ce Tshisekedi qui a gagné. L'accord va intervenir entre publication na ye na publication la cour constitutionnelle. Nete se ba landa ki texte na ye très bien. Maintenant l'accord qui sera signé entre deux publications ne va pas porter sur qui a gagné les élections ou pas, mais c'est sur la stabilité de la pré-élection. Et là, dans cette disposition de président Nanga, il n'évoque pas que Tshisekedi pour avoir fraudé, alors voilà, exacté. Toutou n'y est-ce qu'aux questions. Là, nous avons signé encore T, au proclamé au vainqueur, à partir de la résité ou de la bureau de vote. Accord est qu'on intervenir na katikati. Na kati accord ango ba situé te na tiri accord, est-ce que ça porte sur le fait que Tshisekedi n'a pas gagné les élections au PC pouvoir nullement. Deuxième élément, yo za ki le président ya CENI. En quelle qualité tu es allé signer et nani rédiger un accord politique liant les politiques alors que yo za na kati te. Pas 48 heures to vendre to monde na ba réseaux sociaux accord epimi.
Nga place nazalaka avana tanga nazolenga binzambe to sambwe. Tshisekedi asasinyaka akoro et confirmé que il n'a pas gagné les élections sango. Na tangi yango d'abord avec beaucoup de fautes d'orthographe. Akoro wana. Mais na pato na tangi yango na lobby. Les soutiens de la première part, Félix Tshisekedi, autorité morale, il y a cash. De à l'andelate aucune poursuite judiciaire est à l'endroit des crimes contre l'humanité, crime économique et entre parenthèses, crime contre l'humanité, balobi, crime de sang. Makila, c'est-à-dire que ce qu'a Corouane Zayango, le gouvernement de Kabila et de Katumbi accepte pendant leur temps de 18 ans. Avoir commis des crimes contre le sang des Congolais. Et l'ingo l'ouba ko bo ma ba Congolais, to bo maki okolande la te. Kombo kambongo amoka ko sakarana yango okolande la te. Justice et cause la te. Immunité o epe samaka na loi, na parlement. Immunité komo pe sama na kingakati, na accord. C'est ça le contenu bino yo sobo monaki. Accord wane tikali ko pe satana close mon côté. Les sous-signés, les sous-signés de la première part, Tshisekedi Tshilombo, pour n'avoir pas gagné les élections, le coup en a perçu au pouvoir, voici ma devoir. Deuxième, tout ça, nous sommes scientifiques. Accord au Nini, accord au Nusalaka, toutes les parties contractantes, Badalakana, droits et devoirs réciproques. N'accord au Nato Monika, devoir à Tshisekedi, de protéger l'Iwo au Congo, la Koufi. Tomoni ba devoir na bango vis-à-vis na Tshisekedi. E na suka ya koro wana. Batu nyoso ba signé na ngambo ya Kabila. Suko Tshisekedi akeneka yo moko. Ko signé ya koro ndenge wana. Dede. Suko ye nanga il rédigé cet accord na kanin. Lui-même appartenant à quelqu'un. Azalaki na kan ya pouvoir, na kan ya opposition, ou bien azalaki naître comme la loi l'exige. Alors chers compatriotes, soit qui accorde ou à notre tangi qui n'a pas réseaux sociaux, y a monde y a on a pensé de la qui signer. Alors te signer topé ça tu sais que deuxième mandat baramoko parce que accorde ou à na etikali kolobate qu'il a perdu les élections et qui va penser qu'il pouvoir. Est-ce à la document en anga? Est-ce à la ouana etikali kotanga makambo anate? Mais accorde ou à ne l'obinde qui est yo koti pour que d'abord nabosani pour une passation civilisée du pouvoir. Pour une atteinte durable et sengeli Hollande la bisoté na ndenge to bomaki ba congolais na ndenge to sakana ki na mosolo ya mboka justice na régime non ekufa etelemate maintenant soke za la kingai na sina gagné ba élection po nanga nda pibi ya Tshisekedi na yebi ke na zozo a poste kala mingi te parce que si cet accord est vrai quand est-ce que c'est signé entre la publication des résultats provisoires par la CENI qui font de Tshisekedi vainqueur de l'élection présidentielle de 2018 et la publication définitive de la Cour constitutionnelle après laquelle interviendra la passation du pouvoir, c'est-à-dire prestation de serment. Attendo qui parce que vous gagnez l'élection, vous n'avez qu'à vous signer. Mais comme vous voulez, vous n'avez qu'à assez à signer un accord pour le pouvoir. Et après, à respecter l'accord Rwanda qui dit que ma Congolais, parce que tant que vous avez un crime de ça à Sango, vous avez un Brazzaville, vous avez un Rwandais, parce qu'il ne revient pas un président de la République du Congo de signer un accord que je ne vais pas poursuivre le sang des Rwandais. Non, banani babumaki ba Congolais, banani balisaki bembe ba Congolais. Alors, du début jusqu'à la fin à Rwanda, ce qui est, parce que moi je ne crois pas que c'est vrai. Mais parce que bah, on est bâché, ce qui est en cas, on est pour blanchir Tshisekedi, na somme. Parce que le président n'a pas abîmé ridicule. Tout très bien. Merci. Allez, Patrick Katanga, vous allez terminer. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a une autre émission après vous pour 30 minutes. Vous avez le temps, vous avez suivi Tshisekedi, vous avez suivi Corneille Nanga. Il faut croire à qui? Au chef de l'État, à Nanga. Ben, c'est quoi cette aventure?
pour les jours à venir et pour le passé récent. Bon, malheureusement, toi, on a tant mingité, j'espère que... Allez-y, vous avez 10 minutes. Débat, si, vous pouvez revenir. Chaque fois, même si on l'a rencontré, il va à Kanosa. Nous avons le même pouvoir d'achat qu'en France. $100, non? Que l'eau se commis, comment, la fin de l'année, là, 50-60. Donc, ils sont invivables dans le Congo. Invivables! La France a le pouvoir d'achat, Moussous. Et alors que liberté d'expression, banda soro kasavu muta respecter liberté. Vous vous moquez des Congolais? Kabunda zawapi, Mukeba ya zawapi, Stanislas Bundjaker zawapi. Et même qu'on rallonge un peu plus loin, même barrestation, presque des enlèvements. Salomon Kalonda. Salomon est à la Kalonda, très malade aujourd'hui, très malade. L'accusation principale est c'est Tomba Kala. Balibi Bakanga na mundo qui c'est un revolver semi-automatique. Il y a dans sa coup d'état, pouvoir dans un katangé. Batini Bisson a juge de fond, mais l'on n'est pas juge de fond. Accusation principale doit disparaître. Mais on continue à Kokanga, il y a regardé Salomon Estadé là, très malade. Mais pour Vital Kamerhe, très malade. Batini Bisson est en hôpital, à juste titre. La prison, ce n'est pas pour aller mourir. On a. Le conseiller spécial et le président de la République, François Béat, très malade. Batindi avec le monde, ma médecin. À juste titre, j'ai dit. Pona Fortuna Bisselele, très malade. Batindi en hôpital, le lobe a quitté. La prison, ce n'est pas Moutaré Lokoufa. Salomon Estadé Laza, très malade. Azo Sengaba Pesaye a été liberté provisoire. Alors que le dossier est vide, Balinko Pesaye était et Salomon Estadé Laza apparaît aujourd'hui comme le prisonnier personnel du chef de l'État. Et bon, moi, même Koulana. Dans les États-Unis, à Takombo, il y a Tangite, il y a Boujaker, il y a continué à Eda Kibango, il y a Vital, mais il y a Salomon Zapetit Nayo. Salomon Zapetit Nayo. Vous avez vos relations personnelles avec Salomon. Donc les lois sont malades. Permettez à quelqu'un de se faire soigner parce que ce qui est issu fatal est lié. Mais c'est Moukou Zamboka, va obtenir lieu pour responsable tant sur le plan politique que sur le plan personnel parce que Salomon Zapetit Nayo, il y a qu'à parler. Donc, Nazo Senga qui est dossier d'Aïeza Vide, va payer ses libertés provisoires à Kenko Sefra soigné, quitte à Yako Samba en bonne santé. Donc, Paul Luangé, Ayebi Naïete, Marmazo Loba, Fumutoto. À côté de la Google, vérifiez les informations, non? Le deuxième pont, après le pont Maréchal au Congo, c'est le pont Lualaba. Je n'invente pas moi. Sur ce qui est information, ça vérifie. Tout ça, j'ai été. Et ça n'a rien à voir avec Paul Luangé. Parce que Luala Bezali, un fleuve. Ce n'est pas une rivière. Luala Bezali, un fleuve. Peut-être qu'on m'a écouté. C'est le deuxième pont. Il faut vérifier l'information. Plutôt, il y a recontesté. On va te perdre de temps pour rien. On n'est pas obligé de tout connaître. Ok, on vérifie dans l'information. Bon, ministre Nini, attendez le matin, ministre Nini, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Vous êtes un échec, vous êtes un ministre. Qui peut le plus, peut le moins. J'ai dit que lui, déjà, il est un échec, vous êtes un ministre. Banda Congo et Banda, depuis que Mobutu a instauré les diplômes d'État, en 1967. J'ai d'autres éléments. Vous avez dit, vous avez vu double publication. Vous avez vu double publication examen d'État. Depuis Mobutu a instauré, on a 1967. Non, là bon, s'il vous plaît, sur ce point-là, laissez-moi vous donner quand même des éléments. Moi, je suis journaliste d'investigation. Attendez. Écoutez, il ne faut pas à chaque fois, ceux qui bosent dans l'émission, si on veut dire quelque chose, au Libre Kobi Mibale. Mais ils ont des voix, Nangaï. L'Oba. Et pédagogique, tu donnes une information, il se pourrait que tu n'as pas d'éléments. Moi, je peux te donner l'élément. Il ne faut pas qu'un contradicteur, ça c'est la moindre chose. Hier, ici, à Bosolo, j'avais la même compréhension que vous. J'ai appelé le ministre, Tony Mwaba, en direct. Il a éclairé l'opinion sur la question. Est-ce que je n'ai pas le droit de vous donner des informations? Si, mais il a éclairé sur quoi? Est-ce qu'il ne s'est pas contestable de ce qu'il dit? Non. Pourquoi un autre ministre n'a jamais eu avant lui? Aucun ministre. Écoutez. Héritier, si vous, bon, je vous laisse le temps. Si vous allez trouver dans l'émission et un lobby, l'émission d'hier, cherchez-moi. C'était la première émission avec
les frères de Kinouani, cherchez-moi là où les ministres avaient répondu. Tu retiens même Nasouk émission. Il y a pas, je m'arrête pas. À, donc, je vais dire la domaine. Quelle que soit réponse d'Aya Pessaki, c'est une première qu'on voit au Congo. Double publication. C'est ce que je vais souligner. Qu'est-ce qui cache derrière? Et puis, monsieur, ce peut-être une information. On n'a pas tous les mêmes informations. Tu as une information, tu vas te corriger la grève qu'il y a eu avant. Tu as une information qui nous amène droit vers Bantivaleur. Qui nous amène droit vers Bantivaleur. Et ce qu'aujourd'hui, Moutouya a proclamé, Moutouya a proclamé lauréat, 81%. Au moment où il y a lauréat, au moment où français là. Ces lauréats-là ne vaut même pas deuxième année primaire. J'ai dit même pas deuxième année primaire. Oh. Donc ça veut dire enseignement d'abisso au rabais. Enseignement d'abisso et quoi il a niveau qu'on imaginait. Donc tu reviens à double publication, l'autre tu reviens à triple, quadruple publication. Bon, maintenant, ma kambouya nanga. Nanga. Bisso pela mingi mingi, ma mwananga, tous ceux qui permettent parce que nous pensons que place à Nanga est dans la prison. Nous pensons que place à Nanga est dans la prison. Parce que je ne sais pas si lui-même se rend compte. Place à Nanga est à la prison. Et l'autre obisso tonito loba awa. Plus jamais, bah, Congolais ne se foutent bah, plus jamais ce que Nanga a dénoncé ça la malissouche. Plus jamais. Mais mon regret, c'est que Kadima est sur le même chemin. Non. Vous n'avez pas remarqué Kadima est sur le même chemin. Bis repetita. Toujours qu'il y a d'erreur en erreur, sans te corriger. Parce que les uns veulent gagner, les autres, en opposition. Non, le peuple congolais n'y gagne pas. Plus jamais ce que. Si Nanga veut nous dire à la claire, parce que j'ai l'impression que tant qu'on ne regarde pas Jean-Marie Kassamba, alors il y a autre chose. Kuna Namboka Azali, Kuna Soa, Lobila, Mouaso, Ghana, on parle de Kigali, on parle de Ghana, Bruxelles. Autre chose. Nanga, tu as la possibilité de dire qu'entre la publication provisoire, la publication, publication définitive, il y a eu accord. Nanga, c'est dans le sens T. Nous aimerions savoir qu'est-ce qui s'est passé avant de publier. Ce qui concerne les Congolais sont bakotier, attention à Ruyeba. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait, excusez-moi, avant la publication du 10? Sous j'ai l'impression qu'après la publication, non, assumez-vous. Assumez-vous, monsieur Nanga. Pour nous, c'est superfétatoire. Parce que votre place est en prison. Ce que vous avez fait est inacceptable. Au cas où il y a suffrage, il y a Congolais. Pouvoir, il y a Congolais. Au salaire, il y a faire comprendre les Congolais. Au salaire, il y a un salaire. Donc, place, il y a la prison. Il y a un soutenir. Imaginons, c'est quoi? Il y a un accrédité. Il y a un accrédité. Il y a un Congolais. Que Moko Apolaki, Moko Aganyagi, mais aujourd'hui, victoire, il y a Moko Apolaki au PC d'Aoua Aganyagi. Pourquoi vous l'avez fait? Mais c'est là, vous l'avez fait pourquoi? Donc, le premier à critiquer, le premier à Kanga, n'a dit Loana, sur le PC, sur l'élément avant de proclamer le provisoire, qui avait gagné, il a demandé bureau par bureau, publié. On publie bureau par bureau. Donc, ce que nous aimerions pour aux la crédible, un, de nous donner les éléments concernant avant de publier. Les résultats provisoires, c'était quoi les résultats? Et puis, deuxièmement, Oyako s'est constitué prisonnier, bas jugé, parce que c'est très grave. Bah, Congolais, bah, Pesakio, bah, Pesakio, bah, Congolais, bah, Pesakio, devoir, Yako Kamba, CENI, Commission électorale indépendante, Commission électorale nationale indépendante, bah, Pesakio, pouvoir, t'es bah, Congolais. Il y a au changer vote à Congolais. Tu n'en as pas eu le pouvoir et tu n'en auras jamais. Donc, ce qu'on s'est là, il ferait mieux que se taire. Parce que, avant Yo Benexio, c'est là qu'il nous avons contesté en 2006. C'était l'abbé Malumalu. L'abbé Malumalu te contestait. Le pauvre tiens qui n'a aucun fadaï, il ne s'est pas contredit. Ah, je préfère quelqu'un comme ça, même si tu as contesté, parce que le résultat n'a pas été Moussaï Bitumba. Basola, il y a Jean-Pierre Bemba, Babunda, il y a Basola, et Moussaï Bitumba. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il a assumé. Il a assumé. Deuxièmement, Ngoï Moulunda. Ngoï Moulunda, tout le monde qui a été Tsen Tshisekedi. C'est mon père spirituel, mon père politique, mon père idéologique, en quelque part. Etienne Tshisekedi, je dis bien. Etienne. Parce que j'estime que ce qui se fait aujourd'hui n'a rien à voir avec Étienne. Et n'a répondu même à la question. Au Sagaré, pas Félix Antoine Tshilombo. Non. J'ai cru que ça serait l'image du père. Et à mon dépens, je remarque que ce n'est pas ça. Je ferme la parenthèse. Donc, à cette élection, Étienne Tshisekedi Moulumba, on dit qu'il y a possible ce résultat qui va battre rien à Tabila Joseph. Tobundi Bitumba, la recherche de la vérité des urnes. Tilelo, il est vivant. Je crois habituellement la prison, je ne sais même pas parce que l'herbe à Kangama qui cadre à la liberté d'expression. Bacha qui est la prison. Ngoï Moulunda. Si il a été libéré depuis. Pour avoir prêché dans son église, hein? Bakangi.
mais Mouribou ne sait pas d'Edith Tilelo. Alors que dans nos imaginaires les plus enfouis à nous, tu es dit que Etienne Tshisekedi a quoi battre na Félix na bah quoi battre na mais na Félix na Kabila t'es mais il y a ces contradictions. Tilelo tire le gras na bas résultat ou y a pas ça car Tilelo tire mon papa il y a pas ces résultats serait causé chaos la Congo hein. Vous feriez mieux de vous taire. D'abord, vous ne donnez pas d'éléments. D'abord, vous ne donnez pas d'éléments. Makambozo, le meilleur intéressé, vous sautez. Après les 10, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresserait, messieurs, c'est avant les 10, qu'est-ce que vous avez fait du vote de Congo. Allez, merci beaucoup, Bozaï Bélé. Libosoir à TV Rabino. On va terminer parce qu'il y a une communication importante pour la troisième partie de l'émission. Vous avez intérêt de rester. Je vous ai déjà promis qu'à partir des 16h30, je pense que tu auras lancé enquête il y a. Maïndombe, vous allez suivre ça en direct et puis sur YouTube également. On est en train de prendre des dispositions pour que nous soyons à l'entente réel Bolandango, Boza et Bélé Libosoba TV Nabino. Alors, les élections, on va terminer. Pas beaucoup de temps, 5 minutes, on va arrêter, s'il vous plaît, parce que j'ai un autre invité qui doit intervenir. Nous sommes arrivés à la fin. Les élections, c'est pour 2023. Dans peu de temps, ici, je pense 2 mois, Toro Salab élection. Moïse Katumbi Azosa la implantation à partir d'Aïs, ce qui est logique. C'est le moment d'ailleurs, n'a pas parti, n'y a pas de parti. La loi Tchani, mois septembre, il y a depuis longtemps, il y a une discussion autour de ça, mais finalement on arrive au moment où, tout ça, la session en septembre, va aligner la loi Tchani. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui? C'est de la provocation, discrimination? Est-ce qu'il y a une intention cachée depuis derrière cette démarche? Quelle est l'analyse? Qu'est-ce que vous attendez? Au compte à la fonte pour le moment, parce que Makambuyalo et Tchani Nantoyebi contournent en côté de ceux qui vont débattre dans le fond. Mais d'une manière générale, est-ce que c'était opportun et routier? Alors vous avez 5 minutes, il en aura 5 pour terminer. Je vais prendre une petite pause, je reviens pour une émission de 30 minutes avant de clôturer la journée. Ça m'a dans 5 minutes, Ngaï, n'a pas enquêté. Ce qu'on a démontré, Ngaï, après avec les données que pour de langue, il y a le cas où on dit mal, Ngaï, parce que ce que je ne sais pas existe, et ça la sonité, je vais l'accepter publiquement. Parce que tu ne peux jamais que ça la débat encore face à la vérité. Nande yo ne peux pas faire budget après la langue, ça combien? Parce que ce qui est. Moïse que tu m'es salé le roumouné n'a pas loin. Supposons que yangwe bima 7 milliards n'a pas moko. Mais son la sali 5 ponts et bimi 15 milliards. N'a l'on a l'équipe. Yozo prétendre la mouné n'a pas. Mozo est batté qu'à 4 ans. Mais ba pofi fi ma souk en sali n'a moi dit d'année. Ce qui tout s'engis en oignon sur les kimbong ou yapon yanin. Au contraire, d'ing à peine encore. Tant que l'obin a du reste des affleves. N'a français propre, fleuve, c'est ça m'a dit tout court d'eau qui jette à l'océan. Tout ça, la fleuve, on a Congo, on dit d'aller qu'il y a un pour votre information. Donc, nous avons un sandé, ce qui va bien, une fleuve, c'est que nous avons un thé. La français propre, fleuve, veut dire tout cours d'eau qui jette à l'océan. Même un jour, il y a les qui est parce que nous avons un fleuve, mon côté, on a deux fleuves parce que fleuve, mon rivière, mon côté, on a un Congo central. Au contraire, je te dis que dans le lab où j'étais avec Emmanuel, avec Thierry Mosseneb, Madame Magali, Maître Gédéon Kolela, nous étions sur le pont, l'Oualabala est une rivière. En plus de ça, ce qui devient fleuve, ce qui est logique, non que fleuve n'est pas un mounen. Mais ce n'est pas la source, c'est la maïa mounen. Il faut que tu aies un maïa belé, n'a qu'une angela, que comment, n'a donné que tu aies un angela, comment tu ne y es pas là, n'a qu'à te débat. N'a qu'à moi le loque pour toi, l'état de droit, ça veut dire là où on n'arrête pas les gens, même ceux qui marchent sur le droit d'autrui. Alors que la constitution est un monde entier, là où se limitent vos droits, commencent ceux des autres. Était-il normal à Mike Mukebay d'insulter et de menacer une tribu? C'est ça la liberté d'expression. Tchango Kombo, liberté d'agression et liberté de violation. Et ça s'appelle libertinage. Liberté, non, c'est un moutou, non, c'est un moukiri. Si ils ont encadré la parole de Dieu, ils ont encadré la constitution, ils ont encadré la coutume pour te dire que tu n'es pas libre surtout et surtout pas pour troubler leur république et le droit d'autrui. Yébi Sangaï Kengoy Mouna n'a pas fait des menaces graves sur un peuple. Et Kakota qui n'a pas le coup d'acharnement. Yébi Sangaï Kekabound a tikali kouluba maman kamba mabete à l'endroit du chef de l'État. Yébi Sangaï Kemoukebaï a tikali kouluba makambo ou les akou énervé l'oate. C'est là que je voulais te suivre. Maintenant, au lobby, dans mon yozolouana, de Coca Londres, c'est exemple, bino, bamoussou a qui malade, bakenego se sera soigné.
Mais Vital Kamerhe, ce n'est pas du coup Kakendaki. Il n'y a pas besoin de la télévision, on a un abosolo, on a un sengara, mais on a un sengara chef de l'État, parce que ce n'est pas lui qui les juge. Mais finalement, Kakendaki. Même ce que au lobby qui a coquiné, qu'est-ce qui prouve qu'il a coquiné? Mais au lobby, petit naïo. Tant que c'est un sapon à petit naïo, c'est un favoritisme, non? C'est la loi. Donc le chef de l'État doit commencer à intervenir. Les Cambodgiens, les petits naïbos libérés. Mais oh, c'est quoi, les Congolais, les petits naïbos? Au moment où il y a un mot tout, aux autres qui ont corrigé, il y a un mot aux autres qui ont antivalé parce que petit naïo. C'est-à-dire, on va rappeler le chef de l'État par relation qui n'ont pas de rapport avec la procédure judiciaire. Alors, on a besoin de la Congolais. Salomon a causé la liberté, ce qui me bégo le bibongo. Problème est zate. Parce que même un conseil spécial chef de l'État, il y a un acharnement. Mais il y a un acharnement. Il y a un acharnement. Le coutant, il y a un acharnement. Il y a toujours un innocent. Tshisekedi ne fait jamais dans son régime arrêter les innocents. Et Tshisekedi n'est pas le juge, non plus les magistrats. Au moins, il y a un état de droit. Et ça, il y a un président qui est le cas. Maintenant, pour répondre à la question, je vais vous découvrir le Congo. Moïse Katumbi a tambola pour na installer parti té. Azako sala malhonnêteté mon roso tolandelié bien. Tolandelié bien ta ho chamso na likama. Ayebi ke loi électorale ezako éliminer yé parce qu'elle n'est pas être candidat président de la République que moto azali entre autres congolais d'origine. Or tata né italien, maman né zambienne, Dixit Francis Kalom na plateau Bosor. Bon, dites-moi. Papa italien. Maman zambien. Bango mi balé, bazalaki na Congo te avant 1960. Or, conscient lobby, sont Congolais d'origine, les personnes, les individus ou les groupes ethniques qui étaient retrouvés au Congo présentement avant ou au 30 juin 1960. Bon, zambien et maman naye, na kato, et les gars qui n'ont pas plateau, na yo, nga yo anan, na tchema boko likolo, Francis Kalombalo, qui tombe na ki na carte. Si ko yo kuna, nan Italie, tata na italien. Ata tout d'abord, zoba yango, neto kondima siko ke yaza na kanda président de la République. Loko la yebi ke loa, loa chani pezo kende kuna, e koza la traité. Azo tambo lande ko luka solidarité na ba Congolais, pour que moukolo CNI na parlement ba ko rejete kandati na, parce que koza la conforme et en aspo na lobby, ale, aluka ba emet, ba tuba bima, ba revendiquer ba boye suso katkatoum parce que yazo ba ke non ko le panaza ki toko le ko la tia ki match a madembe alors faut to voter pour biso ba congolais to bomana to ko bomana te azan congolais d'origine te mais to bengani te avant na Congo makambo ya ko briguer magistrature suprême to kondima yango te no bisika nyoso azo ke ne kuna parti sale mikala est-ce que parti ben sala kango na de mois des élections te. Il y a un peu de temps pour le tambour. Mais il y a un peu de temps. Parce que le Kubanga, s'il y a deux jours, à quelques mètres des élections, il n'est pas éligible. Ouvrons l'œil et le bon. Très bien. Tant que des alignaki, batou. Nous sommes des alignaki en Congo, dans le régime. Nous sommes à Bundaki Mitumbate, à Mobisa qui est congolais, contre quelque chose. Moïse Katumbi, ça c'est moi qui le dis. Parce qu'il n'est pas congolais d'origine, sa candidature mérite d'être rejetée. Une fois qu'elle est rejetée, Congolais à la calme, parce que Mouzit a empêché de postuler. Au coup, il a quitté. On peut pas quitter. Atika l'okouta na ye, ya koko sa kazo tambo la pona konsale parti. A konsale parti, a zoken, a zana vision, a zana mission, a zana parcours politique, a komobize bidoni, ya a zolo ba sali plein en Mbandaka. Mbandaka terre a mneno wane, merie na mission na bino, ya a zolo ba sali plein. Et puis plein en go, monnaie, plein en go, les enthousiasmes. Mais si vous êtes plein de nini, Kabila pas de temps, non, ça va plein. Mais est-ce qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Biso élection et Zali. To sengi binu ba Congolais, question. Tant que Tshisekedi a longo, il y a Fakouvi. C'est-à-dire, mbongo a mboka et kolande la malé soussouté. Tant que Tshisekedi a longo, gratuité enseignement et koufi. Gratuité accouchement et koufi. Tant que Tshisekedi a longo, ce qui peut voter était, c'est-à-dire, armée na biso et kotele ma soussouté. Banguna bakoye su konganzama na brassage na mixage. Tango Tshisekedi alongwe ela otozwa ki siko ezate. Alo na nina tunabino. Tukwe shanje Tshisekedi na enkoni ou bien na bafosoye de la République otosito yibango. Est-ce que la loi Tshani a été conçue pour na kolongo la Katumbi na course? Je n'ai pas dit ça. Loi Tshani et lobby to protege fonction ya chef de l'État pour que mopaya kota wana te. Mopaya
c'est-à-dire moto ya za congolais d'origine te to protéger en pour que moto za congolais à 50% à côté en te ça veut dire même yo sangu mwana na yo za 50% à matawana te mais le ce qui mwana nga zali nga na za 100% bana na fait 100% bana yo si mais ce qui bana na yo e wana kota te parce que mobutu kutu na tango na ya boya ka que même pour na uzala PDG ce qui mwana sona za mtalibando ko za la te parce que Congo parce que toute chose reste égale par ailleurs. Na 50 ans autogéré Mboka, en quoi ceux qui ne sont pas congolais d'origine sont meilleurs que nous? Et comme parmi les 5 présidents que nous avons connus, Tshisekedi Abimi meilleur que Bango. Tout ce que tu dis vide, Baya Pobateka Mboka, Tolingate. Très bien. Allez, Pati Katanga, vous avez le temps. Tirez à boulet rouge. On va terminer, on va suivre ce que Tony Mwaba dit. J'imagine échec. Non, Bango, à tel point que Bango's argument est sans, c'était ça m'a étonné de lui, parce qu'il s'est dit politologue. Comment ça, Bango, la sans, c'était, ils amènent ça sur les débats publics, bah, Congolais, bah, Hollande, Abisson. Ah, Katumbiaza, Congolais, t'es, mais c'est grave. Donc, on a laissé un étranger, hein, à qui qu'on s'enrôlait en public. Il a un politologue, il s'est dit politologue. Bah, t'es un étranger, à qui qu'on s'enrôlait en public. Un étranger a créé un parti politique na Congo. Un étranger, il a été élu gouverneur. Je peux continuer comme ça. Personne ne croit plus dans le discours Nabino. Personne ne croit dans le discours de la haine Wana. Bisonde na San City, nous avons défini les critères à vos candidats président de la République. J'étais à San City, tu ne l'as pas été. Bisonde te définir comment être Congolais quand on dit Congolais d'origine. Tolobi de père ou de mère, c'est ça la loi, c'est la constitution. Quelle est la loi? Ça veut dire, enfin bon, il faut chercher, je n'ai pas coupé, pardon. Donc, ça veut dire que Moïse Katumbi Lelo, oui, tu dis que son père est juif. Il n'a jamais dit le contraire. Il n'a jamais dit le contraire. Mais sa mère est bien congolaise. Sa mère est congolaise d'origine. C'est le seul candidat déclaré dans l'élection présidentielle, au Bosengi Makambo Senga, le candidat m'a voté. Même les chefs coutumiers sont venus s'exprimer. Même les chefs coutumiers, Bayeke, ils sont venus s'exprimer. Ma cousine, elle est en parlement. Madame Mounongo, c'est l'année, c'est Moïse Katumbi. Elle est en parlement aux députés. Donc arrêtez cette haine. Je comprends que Lelo, Moïse Katumbi, c'est l'homme à abattre. Je comprends pour Nabino. Moïse Katumbi, c'est l'homme à battre. C'est maintenant la couleur de la peau qui détermine Mouta Kendekuna. C'est maintenant Mouta à réussir dans le Congo Bolingi. Tu contiens médiocre, le président de la République sortant que tu soutiens. Il a dit à Beni le 21 janvier 2021. Si j'échoue dans ma camboie sécurité, il a Beni. Si j'échoue dans ma camboie sécurité, notamment à l'Est, je vais considérer que mon mandat présidentiel a échoué. Il est en échec. Parce que non seulement il n'a pas libéré Bounagana, mais en tout cas, il est allé même appeler les armées du monde entier. Nous sommes devenus aujourd'hui un pays balkanisé. S'il avait la décence en lui-même, il aurait fait comme François Hollande. Un gars comme François Hollande, qui a dit qu'il faut inverser la courbe du chômage. Après, il a fait un mandat constaté que le courbe du chômage est inversé. Il s'est dit, je ne serai pas candidat. Ça, c'est la logique. Ça, c'est quelqu'un qui a une parole. Ça, c'est un homme d'État qui sait respecter sa parole. Les présents sont en train d'échec sur le plan sécuritaire, mais ceux voilà. Donc, vous comprendrez que je ne vais pas parler de la loi Tchani. Toi, tu t'es dit comme ça, pour politologue. C'est contre une loi qui n'est pas. On appelle la loi Tchani. Tu as suivi au Parlement, loi Mouré, les gars, il m'a dit loi Tchani. On parle de quoi là? Quelque chose qui n'existait pas. On parle de quoi? Non, ce qui est, et il y a qui n'a Parlement, bah, rejeta Kiango. Il n'y a aucune raison dans le Parlement, parce que bah, rejeta Kiango. Moïse Katumbi vous fait peur. Moïse Katumbi Bazo, Azo Bang Sabino, à son nom, Bezo Zamatekita, à tel point, comme même qu'on menace même dans son existence en tant qu'être humain. Mais Nabi Bonekati. Bonekati. C'est le candidat sur lequel l'espoir des Congolais. Mais Nabi, que s'il répond, agrégat, n'a pas conditionné sur le candidat, il n'y a aucune raison de l'exclure. Parce que tout l'unité, tu es bien gagné. Le prochain président, c'est Moïse Katumbi. Et je ferai tout pour que ça soit. Vous êtes convaincu que Moïse est un Congolais à 100%. Azar Congolais. À 100%. La loi n'a pas dit que vous êtes à 100%. Félix Antoine Tshisekedi.
Si la loi définit la loi, s'il vous plaît. Parce que vous parlez de la loi. Je vous laisse. Je vais vous parler de la loi. Vous parlez de la loi, non? Oui. Moi, je vous laisse. Quand vous donnez de loi, il faut donner aussi des dispositions. Pour que tout le temps à moi, par référence. La loi dont vous faites allusion, d'origine congolaise, il faut expliquer ça. Et puis contexte à Rolobake Moutabotami Tatana Mama d'origine congolaise, il faut expliquer. Et puis Moutakoui Kobotama Pé Demi. C'est ainsi que moi je vous pose la question, Moïse est congolais de père et de mère. La loi ça, sur la nationalité. Voilà. Dia est congolais et des nationalités congolaises d'origine. Ok? La loi sur la nationalité. À définir, hein, congolais, ou ya botami de père ou de mère. Ok. Mais je voulais avoir de père, c'est la loi sur la nationalité congolaise. J'ai la constitution avec moi au bureau. Hein, j'ai la constitution. Ça, c'est une loi. Voilà, par le cas congolais d'origine. Et loi est déterminée qui est congolais de l'origine, d'origine et qui ne l'est pas. La loi dit est congolais d'origine, celui dont les parents, père ou mère, est d'origine congolaise. Il est à hériter par filiation, nationalité d'origine, soit papa l'un des parents. Bon, maintenant, Félix Antoine Tshisekedi, du président de la République. Lui-même, nous avons s'attaqué dans l'été puisqu'il n'en a jamais fait de problème. Il y a mon gars lobby audio qui est public qui va tuer sur ma monnaie. C'est authentique. Audio télé interview. Ah, mon gars, authentique. Journaliste de recherche, non? Je pose des questions. Au coup, il faut rejeter un mot. Tu n'es pas obligé d'admettre. T'es sango. Il y a lobby. Est-ce que ça authentique? Il y a mon lobby, hein? Naka ya Moïse Katumbi. Ah, Bangbazo Baza étranger. Tu ne l'as pas repris pendant le bail, c'est Bangbazo Baza authentique. Non, mais écoute, s'il vous plaît, maître Pati, je n'aime pas cette politique qui s'est victimisée. Tu sais, non, Nabiboué. À Lobby, à s'est référé. À Tangi Francis Kalombo. Effectivement, Kalombo était passé dans mon solo. Tangazo Loba, soka Tangi Bou, solo Mabonazana, je ne peux pas contredire ce que Fante avait dit. Bien que c'était dans un contexte où il y a eu une année, mais ce jour-là, j'étais là. Pour Francis, il n'avait pas seulement dit que Katumbi avait une mère zambienne. Il a dit ça, mais après, il a corrigé. Ok? Donc, il a choisi le contexte. Je suis là témoin, je peux continuer dans mon alors, si quoi, dans, je vous laisse. Maintenant, dans le temps, la Tunioka, au niveau développement, le retrait capital. Moi, je ne peux pas rejeter ce que vous dites. La Tunika, la question, la rebondie, ça, authentique, parce que le bac est audio. Ce que le bac vidéo, continuez. Et ça, interview, je ne peux pas vous empêcher. Allez-y. Parce qu'à l'autre, en France. Allez-y, mon frère. Mais Azoloba, c'est faux ce qu'il dit. C'est faux. Est-ce que tant au Loba, tout ça, qu'un lapsus, t'es. Tu sais que Francis a dit. Par exemple, ça, lapsus, aux âmes con. Aux âmes d'origine. Français, le bac, ils aiment bien, mais il a corrigé. C'est lapsus, c'est permis en français, mais tu as raison, le baboué. À cause de lapsus, et malhonnêtement, on ne peut pas s'accaparer de ça, le bac, malhonnête. Dans le bic, on ne peut pas faire sortir du contexte. Pardon, excusez-moi, les lapsus. Moïse, quand tu me demandes, il y a un congolaise. J'ai une image dans mon appareil, dans mes missions. C'est pour eux. La malhonnêteté fait que tu récupères et l'autre malhonnêteté pour aller à la télévision. Francis Kalombo, il va vous contester parce qu'il n'a jamais dit ça. Parce qu'il n'a jamais dit ça. Et personne n'a jamais dit ça d'ailleurs. Donc, sauf Binonda Sanzete, obissé au pays sa nationalité. Mais là, je suis étonné, je suis un politologue, on remonte sa nationalité. Monsieur, la nationalité répond à un processus. La nationalité, c'est la loi qui l'accorde. C'est son. Bah, juge va bah, étudier le dossier de l'IOT, allez, président de la République, non, ministre de la Justice, qui va jouer des Moïse Katumbi est-il congolais à 100%? Ça veut dire, non, mais 100%, on va expliquer nos besoins, mais c'est encore dans la même chose. C'est quoi congolais d'origine? On va répéter dans vos sérénités. Loi Tosala qui est en gros en 2004, pendant la 1 plus 4. Et dans la loi, on a défini congolais d'origine. Et congolais d'origine dans la loi 004, d'abord il y a 2004. Bah, lobby koula n'a pas ta loi wana. Un Congolais d'origine, celui dont les parents sont Congolais d'origine père ou mère. Bah, lobby, père ou mère. Il y a une insiste de père ou mère. Non, c'est pas bah, lobby, c'est que la loi ne dit pas que un Congolais d'origine, c'est lui qui a le père et la mère d'origine. Non, bah, lobby, c'est lui qui a la mère ou le père congolais a hérité filiation soit par son père, congolais, soit hérité filiation c'est, congolais d'origine, soit c'est ça la loi. Est-ce que la loi Tchani vous fait peur? Est-ce que ça vous fait peur? La loi Tchani, c'est quoi? Il n'y a pas de loi Tchani? Très bien. Vous pensez que notre pays tire l'autre comme boy? Tire l'autre comme boy? C'est qui a mis ce pays à genoux? Le président de la République lui-même le dit. Même d'acheter pays à genoux. Le Congolais des pères et des mères. La ligne contre la xénophobie, Zangi Boutou dans ma colotée. Le Congo, il faut l'aimer.
Moi, je me suis battu pour l'Amboko. Très bien. Sur la longue ligne, j'ai des stigmates. Puis je me suis battu pour les Congo. Les Congo, il faut l'aimer. Lui, il a démontré à suffisance qu'il aimait trop son pays. À Tchambourg, il y a une à créer une entreprise, l'entreprise prospère. À jouer équipe, il y a Mazembe, j'ai donné ici. Il a été 8 ans à la tête du Grand Katanga. À Sali Makamo pour les Congo. Les Congolais veulent battre Balingi Bango, Balingi Congolais. Allez, qui sera le prochain président de la République? On le saura le 20 décembre 2023. Une minute, pardon. Quoi une minute, parce que c'est la loi. Il a mal interprété la loi. Je vais l'appeler la loi. Si moi, c'est la constitution qui dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas la constitution. S'il vous plaît. La constitution répond à une disposition de la loi. S'il vous plaît. C'est faux, non, la constitution répond à une disposition de la loi. C'est ce que tu dis grave. Une constitution répond à une disposition de la loi. C'est la loi qui tire de la constitution. Non. S'il vous plaît. Non. Je ne vous ai pas interrompu. Je vais demander une minute. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne revient pas à la condition de puiser d'une loi. Il revient à nous attaquer. Non, 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 mais nous ne comprenons pas. On a tout le biboué, constitution, le biboué. Parce que Yoka, ici, question de Zaki pertinente, m'a dévié. Opposé Ngaboué, vous avez laissé un étranger s'enrôler, vous avez laissé un étranger devenir le gouverneur, mais tu ne comprends pas la loi. La loi n'interdit pas Yoka Néo. Écoutons-le, tu peux. Non, Je vous ai promis qu'on va revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Tu as sollicité une minute de la même manière, lui aussi peut le solliciter. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin. Alors prenez une minute, on d'accord. va terminer. Allez-y. Voici quelle contradiction. Il y a Lobby Boyer. Vous avez laissé un étranger s'enrôler. Vous avez laissé un étranger devenir gouverneur. Moi, je n'ai pas dit ça. Le débat sur le Congolais d'origine et le contraire du Congolais d'origine, c'est-à-dire naturalisation. C'est-à-dire même un Américain peut devenir Congolais. Bapé qui s'est à cause de la gouverneure, Bapé qui s'est à cause de la ministre, Bapé qui s'est à cause de la conseillère, Bapé qui s'est à cause de la candidat président de la République, c'est clair. Moïse Katumbi n'est pas Congolais d'origine, ne peut pas postuler la magistrature suprême. Et c'est quand nous sommes à l'amalgame. Bon. Alors, maintenant, et c'est quand nous sommes à l'amalgame. Deuxième, on l'a Ndekounaye Azakuna. Ndekounaye peut être Congolais d'origine. Il est Aza Congolais de naturalité, qui n'est pas d'origine. Mais ceux qui ne connaissent dans la même condition qu'il est, à cause de la députée, la loi n'interdit pas. À cause de la gouverneure, la loi n'interdit pas. À cause de la loi, n'interdit pas. Mais il est à coquille qu'on brigue magistrature suprême. Vous comprenez ? Ce n'est pas la loi, c'est la constitution. Alors toi, tu dis la constitution a puisé de la loi. La constitution ne puise pas d'une loi, ce sont des lois qui puisent de la constitution. Et toute loi, toute disposition de la loi contraire à la Constitution tombe caduque. Ça, il faut y être. Et simple loi est inférieure à une loi organique. Ouais, il faut y être. Au lobby, nous avons 70 ans politologues. Na koki ko benga mut étranger te mais surtout dans un quartier na yebi que tata na za soudanais maman na za angolais pour moi le bakoza congolais d'origine te il faut juger sa décision. Très bien, allez, merci beaucoup, on a fini là. Vous avez une minute aussi. Bon, na lokha mo ba politologue ngoya Congo ba mazo ba la politologue. Pas des attaques, allez-y. Ça m'étonne. Allez-y. Mais na pesi ba congolais devoir à domicile. To sali constitution en 2006. 26 février 2000 constitution en 2006. 18 février. Je parle d'une loi de 2004. La loi de la nationalité c'est 2004. On peut vérifier surtout hier après to édifier ba congolais. La loi sur la nationalité c'est 2004. La constitution c'est le 26 février 2006. La disposition, pour la condition de la présidente de la République, n'a pas ta constitution, que la candidat de la République n'a ta constitution, et déporter une disposition de la loi de 2004. N'a pas de wana. N'a pas de disposition, on a l'obligé d'être congolais d'origine. Et Moïse Katumbi, à l'égard de la loi, Aza congolais d'origine, parce que sa mère est congolaise d'origine. Très bien. Ça, on peut le vérifier. Et j'ai même ma mère coupée. Le problème avec ce Congolais, c'est qu'un intellectuel n'est pas obligé de tout connaître. Même dans le des fois, c'est aussi grandir quelqu'un. Très parce bien. Qu'on ne peut pas tout savoir. Allez, merci donc, beaucoup. Kolobake, Moïse Katumbi, Aza Congolais, et Aza Congolais d'origine, il est Congolais d'origine et il sera bel et bien candidat quand déblaise la bino batanzete. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, de la pédagogie, de la politesse. Et puis Francis Kalomba, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît.
Allez, Tony Mwaba, c'était la question que j'avais promise. Hein. La réponse de Tony Mwaba par rapport à la question qu'on a eu tout à l'heure. Alors, il a éclairé l'opinion. Je n'ai pas de commentaire à faire autour de sa réponse. Et ça a eu problème, j'avais des doutes. En tant que journaliste, je l'ai appelé en direct. Il a répondu, vous allez suivre et nous allons terminer à cette deuxième partie de l'émission. Je mets ça en forme. Hein. Nazo s'est préparé déjà pour la campagne. Je suis en forme. Donc, on va prendre une pause. On revient. La troisième partie de l'émission, ça ne sera pas trop long. Peut-être 30 minutes comme ça. Et puis, on va terminer pour la journée d'aujourd'hui. Allez, à très bientôt. Examen d'État. Deuxième session ou pas. Makamouni ne l'équipe Nazo Kamingi Batou. Deuxième session. Bon, tu as eu un colportage. Il y a un journaliste. Il y a un réseau social. Tu as eu une source. De la même manière, tout ça, là, il y a un GKOKO. Je vais tenter d'avoir le ministre. Il y a enseignement primaire et secondaire. On va avoir tout à l'heure ceux qui ont répondu à téléphone. Je pense que ça serait une bonne chose. Pourquoi tout tirer les choses au clair. Batoubazo Benganga partout. Nazan a réponse à Opé Sabinoté si le ministre lui-même n'arrive pas à éclairer l'opinion. Donc le ministre lui-même, ok, on va tenter. Le ministre est là. Voilà, gloire à Dieu. Monsieur le ministre Tony Mwaba, responsable de l'EPST. Bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct de Bosolo Télévision. Bonjour. Alors, Motuna Ezali Moko, et Tamboli na ba réseaux sociaux, et Tamboli na ba télévision, et comme il peut ba débat na moni na ba chaîne, moussou sur la télévision. Bisomi Tuna et l'équipe Mingi, tu veux qu'on réponde à la question, on a te vu l'audience que nous avons, tu décides de ben gayo moko pe sa biso lumière, ope sa pe population bazolandayo, partout à travers la République et puis dans le monde entier, sur cette prétendue question, et à Makambweta, li deuxième session examen d'État. Likambwangwe salaminini. Pour la première fois, ezali invention, ezali ba innovation, ezali loko ya sikato, ezali lokuta. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme vérité autour ya likambo bazar ou la deuxième session? Vous êtes en direct. Aux journalistes ya investigation. Soko yoki mutualobi deuxième session. Ke mutua katanaki na première session, deuxième session à Zui. Est-ce que au commandant nous conseille à Bao Bazo affirmer ou à ne pas penser sur la preuve? Moutazan a preuve à Zate. C'est la première des choses. Voilà. C'est pourquoi j'apprécie ta démarche. J'ai apprécié la démarche d'Élisée Odia, un journaliste professionnel. Je comprendrai encore l'opinion qui relaye des bêtises qui sont débitées par certains médias de la haine. Ils le font pour des raisons électorales. Et ça a été décidé dans des officines politiques pour attaquer certains secteurs. Et mon secteur en est victime. Il n'y a pas de deuxième session à l'examen d'État, il n'y en aura pas. C'est nous et c'est notre gouvernement qui a relevé la rigueur dans les secteurs de la passation, de la correction et la publication des examens d'État. Ce qui s'est passé, c'est la toute première fois qu'après la publication... Qu'après la publication de l'examen d'État, on publie les palmarès. Les palmarès, c'est la liste de tous les lauréats. C'est tout à fait normal. C'est la première fois que ça se réalise dans notre pays, qu'une semaine après la publication des résultats, on mette maintenant en ligne, on publie la liste des lauréats par la même voie des télécoms. C'est tout à fait normal que quelqu'un retrouve son nom publié dans les palmarès. Et ça réjouisse. Maintenant, ceux qui parlent de la deuxième session là, qui racontent des choses, commencez par les invités. Celui qui affirme, vous l'invitez, il produit les preuves et puis vous me cherchez, on va voir. Parce que c'est nous qui détenons les statistiques. Alors moi j'ai négligé ça, j'ai pensé que bon, c'est. Quand vous posez la question, il y en a qui disent que c'est l'ambiance de Facebook, mais pas quand même jusque-là. Oui, oui. Là, il faut que ça s'arrête un moment. Ça termine l'image. Vos collègues que j'ai défait, oui, un de vos collègues tout à l'heure, que je vais déférer en justice dès demain, qui a affirmé des choses, je souhaiterais qu'il aille présenter des preuves au niveau de la justice. Donc ce qu'on peut retenir... Il a décidé de déférer. C'est qu'on peut... De la déférer en justice. C'est qu'on peut retenir, c'est un gros mensonge monté de toutes pièces. C'est des bêtises. Demandez à tous ceux qui font ces affirmations de vous amener les preuves. C'est la toute première fois que l'on publie les palmarès après la publication des résultats. Et quand on met la liste, celui qui avait réussi, bon, il trouve encore son nom dans les palmarès. Il se réjouit. Si les gens se réjouissent davantage, où est le problème? Alors, de tout, les gens se posent la question, on avait déjà fini de publier, mais comment on a encore publié? C'est pas la deuxième session. Approchez les ministères. Comme
se trouve, et de, c'est pas moi, par haine ou par mauvaise foi, ils interprètent et relayent que ça serait la deuxième session. Mais ça nous dépasse nos autres ministères. Mais nous n'allons pas suivre ça. Nous continuons à faire le travail. Désormais, chaque année, après la publication des résultats, nous mettrons en ligne une semaine après les palmarès. Comme ça, un lauréat qui a réussi les résultats, et à la fin, il voit encore son nom dans les palmarès, il va se réunir, se réjouir davantage. Parce que c'est les palmarès qui confirment finalement qu'on a réellement réussi. Parce que si quelqu'un fait ses aventures, il a de mauvais résultats, la publication du palmarès vient encore confirmer la réussite ou l'échec d'un candidat. C'est ce que nous venons de faire. Mais au lieu de poser la question au ministère, les gens racontent des bêtises. J'ai décidé de déférer un journaliste en justice pour qu'il aille justifier ce qu'il vient de tweeter tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que Tony Mwaba, vous êtes ministre de l'enseignement primaire et secondaire et peste en sigle. Merci d'avoir été des nôtres pour avoir éclairci l'opinion autour de la question où est dérangé pas mal de Congolais. Demandez les preuves. Tous ceux qui affirment, vous les invitez sur Bosolo, qu'ils vous présentent les preuves. Oui. Et puis moi, j'enverrai l'inspecteur général. Très bien. Donc, ce sont des gens qui ont décidé dans des réunions politiques de s'attaquer à des ministères clés. Et les gens doivent les savoir. Et nous sommes informés. Merci beaucoup. Allez, ça a été un plaisir. Absence due à la maladie professionnelle, au bangle au moroté. Vous comprenez ou pas? Yoza fonctionnaire de l'État, que tu as droit aux prestations de risque. Oh, allez, bon matin, tout le monde. Papa, il y a un conseil à la Yakoudé. Bon matin, voilà. Donc, désormais, il y a un agent public qui a l'État, où vous allez assujettir la Sensap, en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement na agence Yasenta, dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour ne pas soyons en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque. Risque Zali, maladie professionnelle. Donc Bokono Oyo Ozui Nanzela Moussalana. Et accident de travail, Ezali, les kama oye aux yeux dans Moussala, ton Anzela Moussala, yangouanande babengi et risque professionnel. Ka! Na Congo oye, ba koumi kou foute risque! Ah, fonctionnaire à l'état ya lelo, na Congo azali sous moutamawate. Yo par exemple, na déclaré yo déjà dans le délai. Voilà! Donc, pour na bola mouyaba, agent public de l'état, n'enge vos aliawa. Tata Mokonzi à l'école, Fatih Béton, Nanzela ya Sensa. En cas d'accident de travail, de maladie professionnelle, non seulement il faut faire, mais aussi à cause de charge de soins médicaux, à cause de l'indemnité journalière, de rente, de allocation d'incapacité, mais en cas de livre, à cause de la vraie funéraire, de rente des survivants. Maman Nankai Tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo, agent public de l'État, ce qui osa la mission de service topé mutation, ce qui les kama et quoi liokuna, eh bien, ils ont considéré le coup l'accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, pas qu'on foute à yon. Ayouna, nga mou kongwele banga kala. Gola mou fana neki zelibaye. Na sa tete, na korezi à l'État. Nga koutou, na gono bate. Chef, ou quoi vous foute à yon kakata, c'est quoi? Mais il y a le bate qui n'a les vie. Oh! Donc, la CESAP, tous solidaires, tous bénéficiaires.
Message de la CENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 4011. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboïna Matongé et Salaté. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99. 081 600 8000. Hôtel Saphir. Beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.